Incroyable, il est déjà 16h20, et oui. Et bonjour à tous. Bonjour à toutes, ici le Don Alex, le salut, le love et les bisous, comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez bien. Ah oui, attendez, je vais mettre déjà mon retour hors vocal parce que j'entends déjà ma voix sur mon retour téléphone, c'est incroyable. Comment vous allez tout le monde? Comment s'est passé votre week-end? How are you today? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, j'espère que vous êtes en forme en ce lundi 9 novembre 2020 et vous avez passé un bon week-end de votre côté et que vous êtes prêt à attaquer cette nouvelle semaine qui s'annonce incroyablement confinée. Bon, j'espère que tout se passe bien de votre côté. On va se faire évidemment le planning de cette semaine. Pour commencer, j'attends un petit peu quelques secondes au cas où. On va faire le planning de cette semaine. On va parler évidemment de l'event que j'ai fait ce week-end puisque bah, du coup c'était... Attendez, du coup, attendez, parce que j'ai oublié de faire un truc. J'étais en train de connecter ma Wi-Fi pour Uncharted 4. Oui, du coup, le jeu est en cours, évidemment. J'ai juste réglé ma connexion Wi-Fi. Oh, coucou, mon cher Maximum. Salut! Le salut, le love et des bisous. Comment vas-tu, mon cher Maximum? How are you today? Comment vas-tu, Maximum? J'espère que tu t'es bien reposé de cette incroyable, je dis bien le mot, incroyable event. Et oui, je dis bien ces mots-là, puisque c'était juste incroyable. On va faire un petit débrief, évidemment, puisque j'en profite pour faire mon petit débrief rapidement. Bien sûr, parce que du coup, je l'avais déjà fait sur un autre live, le débrief, mais j'en fais un petit rapidement, comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu l'entendre. On va faire un débrief. Et après, on va aller sur Uncharted. Très bien, après une bonne nuit de sommeil. Ah bah, t'as dû bien dormir, mon cher Maxou. Je suis content de te voir et de te voir en forme également. De te voir en forme. Donc, du coup, plein de choses à dire, évidemment, entre les nouvelles choses qui vont arriver, l'event de ce week-end caritatif. Et évidemment le mois de décembre, parce que je vais devoir vous en parler également maintenant, maintenant ou jamais. Hein. Soit qu'on le dit maintenant, soit on se tait à jamais, comme on dit l'expression. Donc du coup, aujourd'hui, Uncharted, d'ailleurs, pour commencer, regardez, maintenant je vais faire une nouveauté un petit peu pour certains lives, pas tout le temps si j'oublie pas. Je vais faire ça. Hop, regardez, le salut, le love et les bisous. Et oui, ma caméra apparaîtra. Alors par contre, elle apparaîtra pas en plein milieu de mon message, par contre. Non, ça passe pas. Tu te mettras ici. Voilà, on va l'agrandir. Voilà, incroyable, Don Alex en grand, en plein milieu du planning. Bon, comment ça allait, Simon? Comment vous allez? Comment vas-tu, mon cher Maxou? J'espère que tu t'es bien reposé. Donc, tu m'as dit que oui, après une bonne nuit de sommeil. Je vais peut-être mettre de la lumière parce que vous connaissez un peu mon éclairage chez moi, toujours en train de bugger, jamais de lumière, etc. Alors, pour commencer, oh, mais plein de love à toi, Blackstone. Plein de love, plein de cœur, plein de cœur, plein de bisous. D'ailleurs, on va parler de l'event, donc du coup. Magnifique event, évidemment, que du positif à dire. Magnifique event, on a récolté une somme incroyable qui est de 1664 euros. Incroyable, incroyable. Merci encore à tous ces streamers d'avoir fait cet événement. Ça m'a fait plaisir de faire ça avec tout le monde. Et puis à Maxime qui était parmi nous, puis d'autres personnes qui étaient là. Ça m'a fait plaisir, vraiment, vraiment. Et après, on parlera du planning, évidemment. Ça m'a fait plaisir vraiment de faire cet event. On a pour une belle association qui a une belle cause, vraiment. On a également pu se relier sur le 48 heures de raid. Tout s'est bien passé, vraiment. Il n'y avait rien à dire de... Non, elle est plus là. Et non, Maxloom. Et non. Maintenant, du coup, vu l'event est fini, j'ai tout retiré, j'ai tout remis à jour, évidemment, pour pas l'oublier. Parce que du coup, j'ai oublié d'activer mes alertes déjà. C'est déjà beaucoup. Mais j'ai dû tout remettre, hélas. Je sais, Max comprend. Oh, ça fait triste. Évidemment, c'était juste magnifique. On a passé un très très bon moment entre nous. On s'est tous relayés, on s'est tous suivis les uns des autres. L'amour, c'est ça qui est plus important dans Steven. C'était l'amour qu'il y avait entre vous, entre nous. Voilà, entre nous, tous ceux qui étaient là, évidemment. Ceux qui ont loupé ça, je vous invite à aller voir les rediffs de tout le monde, de tous les streamers. Voir leurs rediffs s'ils ont des rediffs disponibles, évidemment. Et d'aller checker ça, parce que vraiment, ça en vaut le détour. Je vous le dis, ça en vaut le détour. Donc en tout cas moi j'ai passé un très très bel événement, j'ai bien dormi cette nuit, même si j'ai geeké après entre 21h et 2h du matin sur Ghost Recon Wildlands. Non, franchement j'ai passé un très bon moment, faut dire la vérité les amis. Et merci beaucoup, merci à tous pour votre donation. 1164 balles, exactement, ça c'est juste du pas pensable, on n'imaginait pas. Pour la ligue contre l'obésité. Et ça m'a fait plaisir en tout cas que vous ayez fait tous ces gestes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, j'ai oublié personne, tout le monde a fait ça, tout le monde a participé, tout le monde mérite du love. Vous me connaissez, moi je dis ça avec le cœur et c'est la vérité. Et ça fait plaisir. Voilà. Pour la ligue, oui. C'est pas grave, t'inquiète pas, Max. Même moi au début, je me trompais parce que j'avais pas l'habitude. En tout cas, j'espère que eux ils sont contents de ce qu'on a fait et je pense que oui. Et puis moi, je remercie Elite et toutes les personnes qui ont permis cette participation et qui ont fait beaucoup de boulot pour qu'on puisse faire ça. Donc merci à eux.
Voilà, merci à eux. Et si on repasse entre temps, on leur fera un petit merci également à chaque personne qui était là. On leur fera un petit coucou et un petit merci également pour l'événement. Parce que ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, les amis, on va parler du planning maintenant. Du coup, c'était le petit résumé de l'event. Je pouvais pas faire trop parce qu'on avait déjà fait pas mal de résumés. Donc, du coup, c'était juste incroyable cet event. Voilà. Et j'attends impatient la saison 3. S'il y en a une. Salut Alex, les amis. Oh, coucou Kojiro. Le salut, du love et des bisous à toi. Comment vas-tu, Kojiro? Encore merci pour ton follow en off. Je l'avais reçu l'alerte. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Comment s'est passée ta matinée? Comment vas-tu en ce lundi 9 novembre 2020? J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Comme tu peux le voir, nous, on est en train de faire un petit débrief de l'event de ce week-end. Si tu as pu suivre ça de ton côté, un petit peu, je sais pas. En tout cas, nous, on est en train de faire un débrief de l'event caritatif qu'on a fait ce week-end. Et j'étais en train de remercier un petit peu tout le monde, toutes les personnes qui étaient présentes, les streamers, les modos, les viewers, tout le monde. Et les donateurs également. Donc j'espère que tu vas bien, en tout cas, Kojiro. C'est un plaisir de te voir et plein de love à toi. Un grand cœur comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Et puis bienvenue sur la chaîne, du coup, puisque c'est la première fois que tu viens ici. Et n'hésite pas à poser des questions si tu en as. Les habitués de la chaîne qui seront là pour te répondre. Et sinon, moi, je te répondrai avec plaisir aux questions que tu te poses, quel jeu je fais, etc. D'ailleurs, je vais profiter de faire cette commande. Pour les nouveaux et ceux qui ne connaissent pas assez bien la chaîne, ma commande ma chaîne pour voir à peu près ce que je fais actuellement ici. Donc le planning, vous êtes prêts je pense pour le planning. Vous êtes prêts je pense. Allez, on va entamer le planning maintenant, c'est une autre histoire. Alors cette semaine les amis, planning sur 4 lives. Je pense pas qu'il y en aura plus, même si j'ai un cinquième jeu en tête pour la semaine. On se le fera peut-être du samedi, on fera un gros live. D'ailleurs, il n'y a pas d'event samedi, hein, c'est Jeu en vrac, je me suis trompé, attendez. Juste régler un petit souci que je viens de voir maintenant. Ouh là là. Hop, c'est pas event, c'est Jeu en vrac. Voilà, je vous renote ça, je vous remodifie ça. Voilà, nickel. Donc du coup, aujourd'hui, Uncharted 4, on va se faire 2 heures, on va faire jusqu'à 18h30, on va pas jouer énormément, on va jouer au moins 2 heures, ce sera déjà pas mal. Uncharted 4, comme d'habitude, c'est le let's play le plus calme de ma chaîne. Je sais que beaucoup sont pas très let's play, mais adorent quand même regarder de passage ce jeu. C'est un jeu à l'histoire avec beaucoup de cinématiques, et du coup, on va se continuer ça. On en est arrivé à un chapitre. On a bien avancé la dernière fois, on avait bien avancé, on était dans une grotte. On devait rentrer dans une grotte, je crois, si je me trompe pas. Et on s'est arrêté là, on s'est dit, bon, Alex, tu reprendras la prochaine fois, t'as bien avancé. Voilà. Donc du coup, alors ce que vous voyez là, si, attendez, hop, ici là, hop, c'est mon coussin, parce que j'ai mon dos, je voulais pas avoir mal au dos assis tous les jours. J'en ai marre à force de m'asseoir tous les jours. Des fois j'ai une petite douleur au dos. Donc j'ai mis un petit coussin des fois pour pas avoir mal au dos en me levant d'un live. Voilà. J'essaierai de trouver un autre truc pour me caler mon dos parce que ça fait mal. Hein. C'est une chaise pas adaptée pour le gaming. Du tout, c'est une chaise de salon, quoi. Enfin voilà, c'était une petite anecdote avec bidon hein, pour mon dos là. Alors, donc aujourd'hui, Uncharted 4, à Thief Hand, on en a encore deux autres Uncharted à faire après celui-là. On a encore Golden Abyss et Lost Legacy. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et salut Karsten! Oh, mais ça fait plaisir de te voir, Karsten! Le salut, du love et des bisous! Mais ça fait très longtemps que je t'ai pas vu, je suis content de te voir. Mais comment tu vas? Plein de bisous à toi, ça fait plaisir de te voir. Au revoir today, mon cher Karsten. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que t'as passé un très bon week-end et que tu es en forme, mon cher Karsten. Bon, du coup, j'étais en train de parler du planning et on est arrivé à mercredi. Donc, mercredi, les amis, on va faire du Zelda à Clef Hades. On va regarder la solution parce que j'étais bloqué. Rappelez-vous, on avait passé du temps à faire des quêtes, des mini-jeux pour essayer de débloquer un certain objet. Pour ceux qui connaissent pas le jeu et qui veulent pas faire spoil, un certain objet dans un certain moment de l'aventure. Mercredi, vous verrez évidemment ce fameux objet qu'on doit récupérer. Et on va essayer de se débloquer parce qu'on était bloqué pendant 2 lives là. On va essayer de se débloquer tout ça tranquillement. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si le son du en arrière live, je la baisse un petit peu, je baisse un petit peu. C'était un peu fort pour vous. Voilà, comme ça, il y a un peu de son derrière. Vous avez un peu de son d'ambiance, etc. Juste réactiver ma caméra parce que j'ai peut-être un décalage quand je lance mes lives. Des fois, j'ai un petit décalage entre le parler et la voix. Hop, hop, me revoilà. Voilà. Comme ça, j'ai peut-être le décalage qui s'est défait. S'il y en avait un, évidemment. Alors ensuite, jeudi. Normalement, jeudi, c'est incroyable. Jeudi, ce qui va se passer, c'est juste incroyable. Donc jeudi, on ira. Sur à 17h, voilà, à 6h, on ira sur l'émission de la chaîne, la nouvelle émission où je vais faire ça avec les collègues, viewers, streamers, modos, tous les amis de la chaîne que j'invite. Cette semaine, un nouvel invité à 19h, à 17h qui sera là pour l'émission Apprendre ou à laisser à Poil TV, évidemment.
Non, toutes lettres, c'est APOAL, donc apprendre ou à laisser. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça n'a rien à voir avec le mot à poil. Voilà, évidemment, je ne me permettrai pas de faire ce titre, sinon, sur Twitch. Donc, du coup, émission qui dure à peu près 1 heure en moyenne. Le nouveau candidat ou la nouvelle candidate sera là jeudi à 17h. Surprise pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il y en a très peu qui le savent. Donc, du coup, on garde la surprise. Sur mon live, en tout cas, on garde la surprise. Si d'autres personnes le disent, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Mais pour le live, ceux qui sont de ma commu et qui sont que sur mes lives, je ne dirai pas qui est cette personne ou cette personne. Et du coup, on verra la surprise dès jeudi à 17h. Et juste après, on ira sur Kingdom Come Deliverance, le let's play du confinement. Un jeu, évidemment, de type médiéval, de type RPG. Mais une très belle aventure en perspective. Et on va essayer de continuer ça. Avec amour, voilà, je vous le dis avec amour. J'espère qu'on va pouvoir avancer Kingdom Come Deliverance et j'espère qu'on va pouvoir commencer les missions un peu. On a enfin le monde ouvert, on peut dire, donc c'est cool. Un jeu Hasbro, salut mon cher, le salut, le bisous, comment vas-tu mon cher Jensack qui arrive en beauté? Jensack, voilà. Donc j'avais dit, comme j'avais dit à Maxwoom, une personne qui a participé à cet event qui a permis tous ces passages, c'est de ces personnes, de ces 16 personnes qui a soutenu l'event et qui a permis de promettre plein de belles choses. Donc Jensack, du love à toi pour l'event encore et GG, voilà. Ah, j'ai un petit bug de caméra, c'est parce qu'il y a la lumière, il va falloir que je l'allume juste après, donc je m'en occupe. Hein. Oh, James Sax, c'est salut, mais oui, comment vas-tu, mon cher James Sax? D'ailleurs, est-ce que James Sax, tu préfères un SO pour Max Foom, s'il te plaît? Max Foom, joueur Dreamcast, très grand aventurier de Samba de Amigo, très grand aventurier également de Final Fantasy VII, et pourquoi pas, peut-être de d'autres jeux que je ne citerai pas parce que je ne vais pas faire de la pub pour rien. N'hésitez pas à aller voir Max Foom, si le cœur vous en dit, allez juste faire un petit coucou et donnez-lui un petit cœur si vous aimez bien ce qu'il fait. Voilà, c'est pas obligé, c'est juste si vous aimez bien ce qu'il fait, moi je vous le recommande fortement. Et évidemment, je vous fais également le SO pour le James Sax qui est un ami de la chaîne également, qui est là depuis mes tout premiers lives, qui me soutient depuis le début et que j'adore énormément. Ouais, Max Foom, il a vendu du rêve hier pendant son live, mais grave, moi j'étais là au début, hein, avec 4 heures de sommeil dans la gueule. Voilà, il était énergique, hein, mon cher Max Foom. J'espère que tu vas bien, en tout cas, mon cher James Sax. James Sax, oui, c'est du Genshin, c'est de l'amour, c'est du Hero Warrior, peut-être que ce sera d'autres jeux, je ne sais pas. C'est tellement Dieu qu'il nous a fait présenter, il nous a fait du Ghost of Tsushima, il nous a fait tellement Dieu, James Sax, c'est de la multi, du multi-Japon, tu sais bien le Japon. James Sax, c'est votre ami, c'est un japonais. Voilà, c'est un japonais dans l'âme. C'est le roi des pirates et je le respecte. Donc n'hésitez pas à voir James Sax. J'étais au fond du lit, mais j'étais plié. Moi j'étais là. J'étais là, j'étais en train de. À moitié m'endormir, mais j'étais là. La Dreamcast Super Console. Ouais, quoi, on est d'accord. Franchement, moi je la découvre un peu mieux avec Max Foom, hein, évidemment. Et franchement, ça fait plaisir de voir la Dreamcast un peu mieux dans toutes ses horizons. Voilà. Non, oui, je parlais du premier Roll Warrior que t'avais fait, James Sax, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je parlais pas de celui-là, je le savais. Hein. J'ai tout prévu le coup, je parlais de celui que t'avais fait dans les premiers lives. T'inquiète pas, j'ai anticipé ta réponse, je le savais. Non, James Sax, il fait pas mal de jeux, allez le voir, et quand il est en stream, donne-lui un cœur, il fait du Stardew Valley également. Donc, du coup, le planning. Après, ce jeudi, avec un invité plus du Kingdom Come, on finira la semaine sur du jeu en vrac. Donc le jeu en vrac, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs jeux réunis dans un vote global où vous pouvez voter pour votre jeu favori. Votre jeu favori sera peut-être en haut de la liste si vous votez toujours. Vous êtes plusieurs à voter ce jeu, il sera tout en haut de la liste. Si vous n'êtes pas beaucoup à le voter, il sera tout en bas de la liste. Et les trois premiers jeux de cette liste seront les trois jeux qu'on fera lors de ce samedi. Je fais que trois jeux maximum, puisqu'après ça fait beaucoup de jeux sur un live. Et j'en fais que trois par jeu en vrac. D'ailleurs, James Sax, n'hésite pas à faire la commande jeu en vrac pour ceux qui veulent voter dès à présent pour samedi. J'arrête les votes juste après le live sur Kingdom Come Deliverance jeudi. Donc vous avez encore jusqu'à jeudi pour voter pour le jeu en vrac. Voilà, donc ça c'est pour le planning. Il reste plus qu'une chose évidemment, c'est de parler des commandes actuelles, des choses actuelles sur la chaîne. Et puis on va se lancer sur Uncharted juste après. Ne vous inquiétez pas. Shenmue, des très bons jeux. Ah, les Shenmue, ouais, j'en ai entendu que du bien, Maxwoom. Les Shenmue, c'est vrai que c'est des très bons jeux. Je vous les recommande, les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir du Shenmue si jamais Maxwoom en fait. Je sais pas si tu as parlé de ça par rapport à ça, je n'ai pas tout suivi. Vive Shenmue. Ah non, non, c'est Kojiro qui parlait de Shenmue. Oui, Kojiro, Shenmue, moi j'ai entendu que du bien de ce jeu. Je ne le connais pas plus que ça. J'ai entendu que des bonnes choses sur le jeu. Donc c'est forcément un très très bon jeu. Merci James Sack. Donc n'hésitez pas à voter pour le jeu en vrac. C'est gratuit, c'est offert. Dernière chose, évidemment, à vous parler, c'est évidemment, point d'exclamation, vote pour voter pour le futur Let's Play qui sera fait sur la chaîne à la place de Zelda Oracle of Ages. Il y a également, dans la liste des votes, il y a 5 jeux. Il y a Guacamelee 2, il y a
Ensuite, si je me trompe pas, ouais, il y a Game of Thrones. Game of Thrones, le jeu Telltale Games qui était sur la PS4 et je sais pas, peut-être sur la Xbox, je ne sais pas s'il est aussi sur Steam. Voilà. Ensuite, il y a Pandemonium. Il y a Pandemonium 1 sur PlayStation 1. Très très bon jeu que je kiffe énormément, que c'était mon enfance. Ensuite, j'ai mis deux jeux que je connais pas plus que ça, mais je voudrais faire, c'est Zelda 2. Zelda 2 qui est un des premiers, le deuxième Zelda de la licence. Et Link's Awakening, Zelda Link's Awakening, qui est le dernier jeu de cette liste, donc n'hésitez pas à voter. Le premier de cette liste, d'ici la fin de Oracle of Ages, sera élu le futur jeu de la chaîne, juste après Oracle of Ages, voilà. J'ai fait le 3 en live, je ferai les deux premiers aussi. Ah bah écoute, ça fera plaisir de découvrir ce jeu, en tout cas Maxmo. Moi je ne connais pas plus que ça, et j'aimerais bien découvrir Shenmue. C'est un jeu un petit peu, comment dire, un peu ambiance japonaise, je crois, en termes de graphique, etc. Enfin, je sais pas trop, hein, je connais très peu le jeu, hein, je dis peut-être de la connerie. Et deux autres choses, évidemment, à vous signaler. Point d'exclamation, boutique du Don, si vous avez des points de chaîne, des jetons mafieux. Par exemple, je fais, hop, account, je regarde, j'ai des jetons mafieux, vous aussi, regardez aussi vos jetons mafieux. Vous pouvez acheter également. Et salut empereur Kelusa, le salut du love et des bisous, comment vas-tu mon cher empereur? T'as eu plaisir de te voir. Et ben écoute, on est en train de faire le. On venait de faire le planning de la chaîne. D'ailleurs, merci encore pour ton follow en off et bienvenue sur la chaîne. Et du coup, comme tu peux voir, on est en train de faire le planning également de la chaîne. Ouais, donc du coup, c'est normal, encore, tu venais d'arriver, tu venais d'avoir un petit montant, mais ça va monter au fur et à mesure, en fait, de la présence, les gens. Vous avez un montant qui arrive et du coup, vous pouvez dépenser vos points de chaîne. Pour non, dépenser votre monnaie virtuelle pour soit acheter comme un medium sack, soit comme en boutique, soit acheter un jeu en vrac qui n'est pas dans ma liste actuelle et que je n'ai pas encore fait. Je vous dirai oui ou non, évidemment, quand vous me le proposerez, ou soit un one shot au choix, un jeu que je ferai sur un seul live et sur au moins 2 heures, 3 heures, voire le jeu. Comme ça, j'ai le temps de vous le faire redécouvrir ou le découvrir avec vous. Donc, n'hésitez pas. Il y a bien sûr les consoles que je ne peux pas faire pour l'instant en live, donc n'hésitez pas aussi à checker les modalités avant d'acheter. Voilà, donc n'hésitez pas à checker tout ça, et il faut quand même pas mal d'argent pour acheter, puisque du coup, c'est quand même un live entier, les trucs, ça coûte quand même presque un live entier chaque achat, donc ça quand même, faut quand même pas que je fasse toutes les semaines, quoi. Donc j'ai mis une grosse somme, mais vous pouvez cotiser entre vous, vous donner de l'argent virtuel, tout ça, en vous givant votre monnaie, n'hésitez pas. Je suis mafieux, le dites pas à mon père, MDR. Mais bienvenue dans la famille, en tout cas, mon cher empereur. Ici, moi, c'est le Don Alex, du coup. Et le Don Alex, il donne beaucoup d'amour, c'est le Don du love. C'est même pas le Don méchant, c'est le Don qui donne beaucoup d'amour, ici. Donc, bienvenue, en tout cas, empereur Kilouza, et ça me fait plaisir de te voir ici. En tout cas, pour Zelda Link's Awakening, c'est la Game Boy, et la réédition DX, c'est Game Boy Color. Moi, je fais du coup la version, la toute première, pas la DX. Je vais faire celle-là avant la DX. Et peut-être qu'on fera la DX plus tard, on verra, ou peut-être pas, on verra ça, du coup. Mais c'était bien, t'as géré, en tout cas, oui, il a géré Maxwoom, pour l'event. Je le fais en live sur ma chaîne, Alex. Ah, bah, intéressant, je savais pas que tu liveais d'ailleurs. Bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à Kojiro, je vais faire un petit tour également, du coup, à aller voir ce que tu fais. Ok, ben, je savais pas que tu liveais, pourtant Kojiro, je te connais depuis un moment chez Jenny, et je savais pas que tu liveais, je viens de l'apprendre maintenant. Alors, j'ai peut-être pas fait attention, désolé. En tout cas, plein de love à toi. Ambiance Japon des années 80 pour le premier, et Hong Kong, Chine pour le 2, d'accord, donc c'est vraiment Asie. Ok, c'est ambiance asiatique, ok. Voilà, donc du coup, les amis, à donner de l'amour, mais oui, mais prends plein de love à toi, en tout cas, Empereur, et plein d'amour à toi. Et du coup, j'avais fait un petit peu le débrief parce que j'avais vu que Empereur, en fait, il a découvert ma chaîne en entendant parler de l'event ce matin. Et du coup, n'hésite pas à regarder la rediff pour voir mon débrief, voir comment s'est passé l'event. N'hésite pas à checker tout ça ou à demander sur le chat. Les gens, n'hésitez pas à lui répondre, hein, Max Moom ou n'importe qui sur l'event pour qu'il sache un petit peu. Merci autant pour toi, bah, ça fait plaisir. En tout cas, tu es bienvenu ici. Sache-le, ici, c'est que des personnes gentilles et d'amour. Tu vas passer forcément un excellent moment si tu passes ici, ne t'inquiète pas. Les gens, ils sont tous que vraiment cool. Vraiment vraiment cool, une belle communauté. Et dernière chose avant de lancer le live, enfin avant de lancer le gameplay, dans les points de chaîne juste en dessous, les amis, vous avez un défi communautaire. D'ailleurs, Jenny a acheté pendant mon live event, a acheté. D'ailleurs, merci à Jenny, plein de love si tu vois cette rediff ou si tu passes, on te donne plein de love. Elle a acheté du coup le comeback de Super Mario 64. Elle a mis 2000 pour les points de chaîne. Donc, si vous voulez regarder vos points de chaîne, il y a plein de commandes. Et parmi ces belles commandes, il y a le défi communautaire. Et le défi communautaire, c'est le retour en gros de Mario 64, puisqu'on a déjà fait un live dessus en one shot.
qui dit one shot dit un seul live dessus. Mais vu que le jeu a tellement bien été reçu sur la chaîne que je voulais en faire une deuxième partie. Mais pour ça, c'est vous d'acheter et de décider du sort de ce comeback. Oh, mais merci Empereur Kaluza pour tes 300, pour le défi communautaire du love et des bisous à toi, c'est gentil. Et merci Diemsax pour avoir ajouté 2000, déjà 8000 dépensés de points de chaîne pour ce comeback, ce Super Mario 64, plein de love et plein de bisous, Diemsax. Merci à vous. Et merci Karsten qui nous met les 2000. Incroyable, on est bientôt à 100%, je crois. On a 97%, les amis, mais non. Mais merci Karsten, du love et des bisous à toi. Mais merci beaucoup, les amis, vous êtes incroyablement généreux. Merci pour tous ces points de chaîne dépensés. On est qu'arrivant. Il nous reste plus que 1000. 1190 points de chaîne et on arrivait sur le défi communautaire terminé. On va pouvoir se refaire du comeback. Il ne me reste plus que 4 jours, les amis. N'hésitez pas, si vous voulez finir ce défi communautaire, il ne reste plus que 4 jours. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Alors du coup, oh Maxoum, il vient de les payer. J'avais pas vu. Oh mon Dieu. Et Maxoum. Maxoum. Incroyable. Et on a les 100%, les amis. On a les 100%. GG à vous. GG. C'est officiel. Merci Maxmoum du love et des bisous. Nous allons faire la semaine prochaine, ou peut-être samedi, et je vous dirai ça, ou samedi ou la semaine prochaine, on se fera. Non, ce sera plutôt la semaine prochaine, parce que c'est quand même 3 heures de live qu'on va faire. 3 heures de live sur. GG, t'es le dernier. Mais GG Maxmoum. On va se faire 3 heures quasiment de live sur Mario 64, partie 2. On va continuer à aller chercher les étoiles et peut-être finir le jeu pendant le deuxième shot, le two shot. Du coup, merci Maxime, du love à toi et des bisous. Tu as permis d'avoir réussi ce premier défi communautaire qui était à 45 000 points de chaîne. Et ben du coup, dès demain, il y aura un nouveau défi communautaire, c'est officiel, que je vous mettrai. Et je pense que beaucoup savent de quel jeu je vais parler, ceux qui étaient là lors de l'event. Ils savent quel défi je vais mettre. Évidemment, ce sera un live, enfin ce sera un comment dire, ce sera, vous verrez, ce sera une surprise. Je vais même pas vous le dire, ce sera une surprise. Comme ça, je vous garde la surprise. Alors attendez, je vous lire vos messages et après, ben du coup, on va aller sur le let's play. En vrai, moi je suis méchant, mais les autres sont gentils. Non, Dimsax, c'est gentil. Arrête, arrête, Dimsax, t'es gentil comme tout, t'es une boule d'amour. J'ai pas plus, je suis nouveau dans la mafia, j'irai payer les banques. Oh, mais y a pas de souci, mais t'inquiète pas, Empereur. Évidemment, les points de chaîne, c'est pour ceux qui savent pas. Bon, je pense qu'Empereur, tu dois peut-être connaître un peu Twitch. Ça se sent que tu connais un peu le monde de Twitch. Ceux qui connaissent pas le monde de Twitch ou qui découvrent la chaîne, évidemment, ça s'accumule au fur et à mesure des lives. En vrai, les points de chaîne s'accumulent en fonction de ta participation, des subs, etc. Mais ça, ne faites pas. Ça, vous faites pas, ça, vous oubliez. Ça n'existe pas sur la chaîne. Il n'y a pas de sub, rien. Ça, c'est. Non. Moi, ce que c'est l'amour, c'est déjà pas mal. L'amour, votre présence, votre gentillesse, c'est déjà énorme. L'ADX, c'est une version boostée en couleur avec un donjon bonus et débuggé de la version Game Boy. Eh ben écoute, j'en prends compte du coup, Karsten. Et peut-être que je redécouvrirai de mon côté l'ADX. Je ne sais pas encore, je verrai ça. On va déjà faire la version normale, originale, on verra pour le DX. J'adore Mario 64. Ah bah écoute, tu vas te servir. On a fait déjà un bon live dessus. On fera une partie 2. Voilà, ça c'est fait. Merci Maxime, tu gères encore. Maxime, toujours là pour gérer. C'est le boss. On lui donne beaucoup de love à Maxime. Alex, ton jeu préféré de tous les temps, c'est Zelda Wind Waker. Voilà, vous le savez déjà, hein, pour la plupart. C'est Zelda Wind Waker. C'est carrément mon jeu préféré de tous les temps. Il y a plein qui disent on peut choisir un jeu de tous les temps. Je suis d'accord. Mais vraiment, s'il y a trois jeux qui me parlent, c'est Zelda Wind Waker, Total Overdose. Et en troisième, je mettrais Mario, soit Mario Kart Double Dash, ou alors Time Splitter, ou un jeu de ce type-là. Voilà, clairement, c'est vraiment ça. Ou Until Dawn aussi. Until Dawn qui fait partie de mes jeux préférés de tous les temps. Voilà. Et si tu cliques sur le cœur, tu es un beau gosse, d'ailleurs. C'est exactement ça. N'hésitez pas à vous donner de l'amour entre vous également aussi. Hein. Aussi sur le vote, Let's Play, il y a une erreur avec Zelda Link's Awakening, c'est GB, pas GBA. Ah, ok, ben, écoutez, ben, si jamais il y a des gens qui se disent il y a une erreur, dites pas à leur dire que j'ai fait une erreur. Bon, j'ai vraiment pas fait attention sur le coup. Mais merci de l'avoir dit, Carsten, c'est bien, ça fait plaisir. Ok, donc du coup, je vais mettre le Let's Play et je continue à vous lire juste après, les amis. Hop! Ah oui, bah attendez, pour mettre le Let's Play, il faut déjà que je fasse un truc, c'est que je mette d'aller voir mon coussin derrière, comme ça, avec mon beau coussin. Je mets juste le laveur média et j'arrive. Parce que j'ai oublié de connecter laveur média, je suis con. Incroyable. Merci encore pour votre gentillesse, les amis. Hop, vous voyez plus, mais je vous entends. Enfin, je vous entends. Vous m'entendez plutôt. Non, moi, je vous entends pas, vous parlez pas. Vous êtes tous en message. Mais je vous entends, vous êtes beau. Ok. J'ai mis mon laveur média, hop.
on va pouvoir mettre Uncharted, si j'ai oublié de mettre Uncharted du coup. Alors comme il fait très très sombre là sur ma caméra, je vais mettre la lumière, hein, je vous le dis de suite. On voit pas grand bien la caméra là. Hop, je mets la petite lumière. Hop. Ah oui, elle éclaire pas trop la lumière, j'ai oublié. Hop, je mets la lumière de ma... Voilà. Voilà, comme ça on verra bien le Don Alex. Ok. Alors, du coup, putain, il vous faut allumer à 16h45 la lumière pour faire un live, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, donc du coup, merci encore pour les points de chaîne, ça fait plaisir. À quelle idée tout le monde, ah, c'est gentil, frère Kedouza, mais ça fait plaisir, donne beaucoup de love à toi, hein. Plein de bisous. C'est la faute de l'émulateur. Exactement, exactement. Bon, Laver Media, il faut qu'on le connecte, évidemment. Là, il n'y a pas les trucs qui font bugger mon PC parce que je suis désolé encore pour. J'ai mal réglé le logo lors de l'event et ça fait bugger mon PC, je suis vraiment désolé à vous. Voilà, Uncharted se lance, on est parti. Allez! J'espère que ça va vous plaire. Attendez, je vais mettre peut-être le son comme ça. Voilà. Incroyable. On repart sur Uncharted. Pour ceux qui connaissent pas Uncharted, vraiment, je vous recommande. C'est une licence de. C'est un jeu de la licence Naughty Dog. Naughty Dog qui ont fait. Crash Bandicoot, évidemment. Mais qui ont fait The Last of Us, évidemment. Très très belle saga, Last of Us. Hein. Évidemment, ceux qui ont joué au 2 cette année sont des boss. J'en suis pas un puisque je n'ai pas fait le jeu cette année. Et voilà. Bon, en tout cas, très très belle. Enfin, très très bon. Enfin, très très bon jeu, les Uncharted. Moi, je les ai tous faits. Sauf le Golden Abyss où je n'ai pas pu le finir parce que j'avais pas la PS Vita. C'était mon. Il y a que mon cousin qui l'avait en vrai, le jeu. Mais j'ai pas pu le finir. Il y a bien, j'ai regardé une ou deux fois. Ah, bah écoute. Franchement, Uncharted, vraiment très très belle saga. Après, sur la chaîne, j'avoue, c'est l'esprit le plus calme. Puisque du coup, il y a beaucoup de cinématiques. On parle pas énormément. Vous connaissez. Moi, j'évite de parler pendant les cinématiques pour que vous puissiez un petit peu écouter, etc. Et j'essaie vraiment de vous laisser un maximum de possibilités de découverte. Donc, moi, je connais déjà le jeu, mais vous connaissiez pas. Et le but, c'est que vous redécouvrez avec moi le jeu. C'est un petit peu le but de la chaîne, en même temps c'est de faire des let's play que soit que je veux découvrir, soit que je connais déjà, ou soit du multi avec vous parce que je voudrais un peu aussi interagir avec ma commu et avec les amis de la chaîne. Donc c'est pour ça que je fais un peu de choses diverses et variées. Donc voilà. Donc on va continuer du coup sur le chapitre 8, la tombe d'Henri Avery. Henri Avery qui est le fameux personnage qui aurait caché un grand trésor et qu'on essaie de récupérer en ce moment même. J'ai en une de PS Vita, ah, franchement console que je n'ai pas pu avoir vraiment dans ma vie. La PSP également, c'était pas moi qui l'avais quand elle était sortie, c'était un membre de ma famille. PS Vita, PSP, vraiment c'est des consoles qui m'ont, que je connais, mais voilà, j'ai pas pu vraiment vraiment découvrir. Mais franchement la PS Vita, très belle console quand même, elle a eu des belles petites pépites. Hein. Alors j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a des belles pépites, ça va me revenir peut-être plus tard. D'ailleurs, si vous avez des jeux de PS Vita à proposer, dites votre liste de jeux PS Vita, tiens. N'hésitez pas à me dire vos jeux PS Vita que vous connaissez, que vous avez envie de faire, que vous avez pu tester, etc. Moi, je connais très très peu la console, et ça me ferait plaisir d'avoir un peu des retours sur des jeux en particulier. RIP, le chargement. Ah, le chargement, il est long, hein. Mais c'est bon, regardez. Hop, attendez, hop, attendez, start. Hop, là c'est un petit décalage, il n'y a pas de décalage, c'est bon. Des fois je fais des petits décalages sur les jeux, là ça avait l'air d'aller, ça avait l'air d'être correct, donc parfait, parfait, écoutez. En tout cas, bon j'espère que ça va vous plaire l'aventure pour ceux qui n'ont pas encore découvert Uncharted. Donc on était ici les amis? Ah oui d'accord, on vient de la grotte, en fait on est rentré dans la grotte qui est l'homme et en fait ça a sauvegardé, on était juste ici nous. Voilà, on a sauvegardé ici, et puis après on devait rentrer ici, voilà. Donc là on rentre. Voilà. La cinématique elle s'était pas enclenchée parce que je ne l'ai jamais vue. Voilà. Donc du coup on est arrivé ici, chapitre 8. Donc là à mon avis il faut qu'on aille bah, comme ça. Hop. Évidemment. Je pense que c'est ça. C'est un jeu PS4. Quel jeu? Celui-ci, oui, celui-ci c'est un jeu PS4. Cet Uncharted là il est sur PS4 exclusivement. Moi je joue beaucoup plus à des jeux PS4. Un peu rétro également et je vais beaucoup faire également quelques jeux PC, c'est très très rare. J'ai déjà une liste de jeux PC que je voudrais faire également sur la chaîne. Notamment pourquoi ils n'ont pas mis des DD en 720 tours minute sur les consoles? Ah bonne question Maximum. Après je pense que c'était un coût de fabrication, hein. Je sais pas hein, si tu es d'accord avec moi Maximum. Pour moi je pense que c'était dû à un coût de fabrication ou quelque chose de ce type, ça a dû revenir plus cher, peut-être qu'ils n'ont pas voulu la vendre trop cher non plus la console pour en vendre pas mal. Sachant que la PS5 elle coûte 100 euros plus cher que la PS4 à sa sortie, je crois. Je suis mort, c'est pas grave. J'ai oublié de faire un truc, j'ai oublié d'utiliser ma corde. Donc c'est peut-être pour ça. Sur la PSP, il y a un petit bijou, Crisis Core, Final Fantasy les 7 les amis.
Ah bah là tu vas régaler Maxfum, il adore Final Fantasy VII, hein, donc du coup là tu parles de Final Fantasy VII, Maxfum il a dû entendre ça je pense. Il va vite arriver. Hop. Ok. Alors là pour pas me tromper cette fois. Bah en vrai c'est compliqué là. Attendez, 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 attendez. Ou alors peut-être. Ah non on peut pas. Bah attendez là, j'ai pas compris peut-être un truc. Ouh là là. Le 7200, c'est le coût et aussi le bruit. Ah ouais, peut-être pour ça, voilà, du coup. J'ai peu de jeux dessus pour la Vita, DWXL, OPPW3. Alors, je connais aucun des deux. Dynasty Warrior 8. Et le deuxième, je vois pas ce que c'est, le OPP. Sailor Chief Vintam. Ah oui, il était même sorti sur Voleur à travers le temps, c'est ça? Chief, c'est voleur, et Time, c'est le temps, donc Voleur à travers le temps, logiquement. Ok. Oui, Crédit Suisse, je voudrais même me le faire. Ah bah tiens, voilà. C'est ce qu'il semble, Maxoum, il était très acteur sur ce jeu. Par contre, comment on fait les amis pour aller en face? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une solution? Parce que là, je ne comprends rien. Alors très bien, on peut pas sauter. Ok, nous sommes au courant, on peut pas sauter. Là, j'ai pas compris, attendez, on a dû arriver dans le jeu, on est déjà bloqué. Incroyable. Voleur temporel. Ah ok. C'est vrai que c'était voleur à travers le temps, moi. Chief in Time, voleur temporel, ouais. Ouais. Ah ouais, donc c'est là qu'il fallait que je saute de là. Hop, bah non. Bah non, je peux pas. Bah attendez, je suis bloqué là. J'arrive dans le jeu, je suis déjà bloqué. C'est incroyable. Ce jeu, il est juste incroyable en vrai. Attendez, peut-être que s'il faut, j'ai mal fait une touche ou quoi, hein. C'était de ma faute. Hein. C'est pour moi l'épisode pilote de Final Fantasy Remake. Ah, tu vas te le faire, Kojiro, mais t'as raison. Tu as raison. N'hésite pas. Moi, je voudrais bien le découvrir aussi, le Final Fantasy VII, le jeu. Peut-être un jour ce sera un RPG sur la chaîne, qui sait. Hein. Je ne sais pas encore d'ici là, mais bon. Bon, maintenant on fait plus les choses à Walligan, on va essayer d'avancer parce que là, on est bloqué. Hein. Clairement, il nous manque une touche ou il nous manque quelque chose qu'on n'a pas pu faire là, on est bloqué. Alors attendez. Hop. Il y a quelque chose que j'ai dû louper quelque part, c'est obligé. Parce que là, on peut pas aller où on veut là, c'est. Attendez là, je comprends pas. On dirait pas qu'il y a une distance là pourtant, hein. Je comprends pas ce qui va pas là. Attendez. Non, mais il lance une dynamite ce con. C'est quel jour et quelle heure Mario? Alors pour l'instant, je sais pas trop quand je vais le faire. Je n'ai pas de jour ou de date précise. Je penserai le faire peut-être. Ah, attendez. Est-ce que vous voulez un. Non, non, on va laisser ça comme ça. Est-ce que vous voulez un son d'ambiance? J'allais dire, mais non, on va éviter des sons d'ambiance de jeu. Je sais pas encore quand je vais le faire. Je prévois jamais de. Bah, on est bloqué, les amis là. On est bloqué. Là, il faut avoir que je trouve une solution, on est bloqué là. Là, c'est officiel, mais je vois pas ce qu'il faut faire en fait là. Pourtant, je l'ai fait, je l'ai fini ce jeu, hein, mais alors là. Ou alors, on peut plus revenir en arrière, il fallait. Ah. Ça fait un sacré détour. Allons voir ce qu'Avry nous a laissé. Ouais, allons voir. Attendez, les amis, attendez, restez. Vous allez comprendre, vous allez rigoler. Regardez, restez calme, restez calme. C'est ça que je voulais dire, restez calme, regardez. C'était là qu'il fallait qu'on aille. On vient de là-bas. C'est pour ça qu'on pouvait pas avancer. Non, non, c'est bon. J'ai compris. C'était par là. Bon, ok, c'était une erreur, voilà. Un fail. Mais non, en fait. Je suis le seul fou qui va en sens arrière pour faire le jeu, quoi. Ok. Ok, bon, très bien. Alors, cette grotte, qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Par là. Ok, bien vu. Ok. Ah, ok, il y a une petite fissure ici. Je pèse il y avait dire genre Cerebus FF7. Waouh! Ah ouais, ils ont fait des noms sur le FF7, je connaissais même pas. Hein. Attends, ce nom-là, je le connaissais pas du tout, le nom qui est là, là. Quand vous dites ça, les amis, vous dites Dirge of Cerberus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ce nom de jeu qu'ils ont donné pour FF7? Parce que moi, je connais pas du tout. Waouh! Ah, ils ont donné vraiment des noms incroyables, quoi. Ok, j'ai deux barres de manette. Je vais regarder un petit peu parce que ma batterie, elle descend vite. Là, il faut mettre une main, je crois. Allez, mettons la main à la pâte. Ah, ah. C'est gluant. Qu'est-ce que tu trouves au bout? Je sens une sorte de levier au fond. Ben, bah tire. allez, actionne-le qu'on voit. Quoi? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ah. ce qui pourrait t'arriver. Est-ce que c'est un piège, vous pensez? Une question. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Vous coupez ton bras derrière, hein, moyen. Regardez, on va voir la surprise. Est-ce qu'il va se recouper le bras?
Eh ben non, c'est juste un bruit de porte qui fait flipper tout le monde. Y'a pas eu de problème de porte. Hein. Voilà. Ok. Sérieux? Donc quoi? Bah j'ai... Voilà. J'ai ouvert une porte. Ok. C'est plutôt sympa, là, oh, pas mal la déco, ouais. Attends, c'est la tombe avec la croix et tout là qu'on a vu. Alors que le paradis se destine aux valeurs. Ils vont couper ton bras aussi, Carsten. Vincent Valentine, d'accord. D'accord, après je m'y connais pas trop moi pour FF Final Fantasy. Tu connais Lightning, enfin Light Knight, Lightning, je sais pas comment on prononce. Je connais Bunny, je connais Snow. Je connais quelques personnages, mais des récents moi. Damas tu. Mais non, c'est pas possible, je veux dire. Je vois bien que c'est évidemment. Eh hey, coucou le beau Alex, oh, coucou mon cher ami moi, le salut, le love et bisous. Comment vas-tu mon cher ami moi d'ailleurs, encore une personne comme je disais à chaque. C'est bien l'emblème. Attendez. De Tio, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Évidemment, comme je disais, chaque personne qui est dans l'event, je les remercie à chaque fois qu'ils passent. Donc du coup, merci encore pour cet event, mon cher ami moi, du love et des bisous, ça fait plaisir d'avoir fait ça avec toi. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, si vous connaissez pas Emile moi, est-ce que James Sax, tu es encore dans les parages? Ou sinon je sois le petit SO pour mon cher Emile Moi d'amour qui non seulement est quelqu'un de super gentil mais il adore faire des jeux de voiture, des jeux rétro et des jeux sympathiques comme tout. N'hésitez pas à aller voir Emile Moi. Hop, je note ça. J'espère que tu vas bien mon cher Emile Moi, en tout cas c'est plaisir de te voir et plein de bisous à toi et j'espère que t'as passé un bon week-end. Du coup, même si j'ai déjà ma réponse je pense. Donc du coup, je vais faire le SO à Emile Moi. Donc Emile Moi, lui, c'est beaucoup de tout ce que je vous ai dit, des jeux voitures, des jeux rétro. Il fait Wind Waker également, mon jeu de cœur, mon jeu préféré de tous les temps, comme on disait tout à l'heure. Bah du coup, lui, il le fait. Lui est en train de le faire actuellement. Donc si vous voulez voir Wind Waker, ce que c'est, il y a Emile Moi qui en fait de temps en temps. Donc ça fait plaisir. Moi, ça va nickel, bah je doute. Moi, ça fait plaisir de te voir, le beau Emule. Mon beau Emule qu'un jour, on va devoir faire... ensemble à Lille, un peu de course de voiture. Devant le commissariat. Enfin, c'est une blague, évidemment. Wind Waker, sûrement demain soir, mais non. Attends, demain soir, je fais quoi? Ah, demain soir, je suis pas là, Emile Moi. Oh non. Oh, mais je regarderai en rediff. Demain soir, je peux pas, je suis en event Ghost Recon Wildland avec des potes. On fait ça tous les deux jours. En ce moment, on fait ça tous les deux jours parce qu'on se redécouvre le jeu, là, Ghost Recon Wildland. Ah, mais je passerai peut-être ma petite vue vite fait. On va faire une pause de 5 minutes, j'irai voir. Oh non! Mais j'essaierai de passer quand même. Ah, je suis dégoûté, je voulais voir ça moi. Ah, j'essaierai ma petite vue ou quoi. J'espère que tu vas bien en tout cas, mon cher Emile Moi d'amour. J'espère que tu as passé un bon week-end et je suis content de te voir. Comme tu peux voir, nous sommes sur Uncharted 4. Nous essayons d'avancer un peu l'histoire. On est au chapitre 9, là, bien entendu, le chapitre 9. Je crois qu'il y a 25 chapitres ou 26. C'est quelqu'un qui veut vérifier, il a le droit. Mais je crois qu'on a 25 ou 26 chapitres à faire. On est quasiment arrivé bientôt à la moitié du jeu déjà. Donc c'est cool en vrai, on est en train d'avancer à notre rythme. On adore ce jeu, franchement, personnellement, je kiffe ce jeu. Oula, un piège! Je dis alors. Mais non, mais. Non, mais. Emile Moi, fais-le en fonction de toi, hein, t'inquiète pas. Hein, si je suis pas là, c'est pas grave, fais-le pour la commu surtout. Moi, c'est pas grave, je viendrai le voir dans tous les cas à un moment donné, c'est sûr. Si tu peux jeudi, je fais jeudi, et je ferai bien tout saoul demain. Oh, mais non, mais. Emile Moi, mais. Je me sens gêné que tu fasses ça pour moi, arrête. J'ai envie de rougir. Est-ce que tu veux rougir sans live, mon beau Emile Moi là? En plus, je me suis marié avec lui hier, bon, je voulais pas vous dire, mais voilà, on s'est marié avec Emile Moi. Sinon, on s'est marié. Attendez, c'est un levier ça que je dois activer là? Ah ouais. Oui, je le veux. J'ai pas fait mon planning. Bon, jeudi, normalement, ça devrait le faire. Après, je sais pas encore jeudi, mais normalement, ça devrait le faire. Mais plein de love, arrête. Plein de love à toi et plein de bisous. Possible un jeudi, parce que il y a des personnes forcément qui sont peut-être pas forcément là tous les jours non plus, tous les soirs. Le soir on pouvait pas le faire, mais demain on va se faire un peu Ghost Recon. Ouais, la personne voulait qu'on puisse se le faire en live, mais je préfère le faire de mon côté parce que du coup je voudrais un peu aussi jouer un peu en off de live Twitch. Alors, ça sent l'énigme. Ça sent l'énigme. Alors, le saut. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ce saut? Qu'est-ce que je fais avec ce saut? Je prends de l'eau qui est juste en bas là. Ok. Donc ici on prend de l'eau. Pour remplir un seau, très bien. Voilà, il est plein. Hop, tu prends le seau, mon pote? Ok, mon frère, pardon. Mon frère, il va prendre le seau. Et maintenant, il va essayer de s'occuper de l'énigme parce que là, je n'ai pas compris du tout l'énigme, ce qu'il fallait faire. C'est quelqu'un qui a compris. C'est juste le boss, en fait. Ok. Ah, ok, il faut tout remettre dans la roue. Ah, il y aura peut-être des trucs qui vont s'activer à chaque fois. Il faudra mettre des seaux à chaque truc, non? Non. Ah, je savais bien qu'il y avait une énigme. Ok, une énigme, on va devoir sûrement mettre toutes les lumières sur les croix. Je comprends ce qui se passe ici.
Alors, attendez, maintenant on va consulter la carte du journal. Ok. Ouais. Alors, we receive the jury award. Donc, ok. Of your date. Today you will join me in paradise. Dismas, donc good chief. Oh, salut mon cher Risotto, comment ça va? Le salut du love et des bisous. Et le salut également. Comment vas-tu mon cher Risotto? Ça fait plaisir de te voir. T'es si beau mon cher Risotto. Si vous cherchez quelqu'un que j'adore beaucoup et qui est si beau, il y a Risotto. Mais plein de love à toi, Emile, moi j'avais pas vu tes cœurs. Comment vas-tu? Vous allez bien, mais c'est un super Risotto. Écoute, on est sur Uncharted 4, on avance tout doucement, on essaie de comprendre l'énigme actuelle, là, c'est une énigme avec des croix et de la lumière, j'essaie de lire ce qu'il écrit en anglais. Cool! It's just a hangar you guys have found. Ok, ok, just chief, ok. Qui connaît les Dissidia Final Fantasy pour Uncharted? C'est 22 chapitres. Ok, prologue épilogue, merci du coup Karsten. Donc ça c'est pas du spoil, n'inquiétez pas les amis, c'est parce que je voulais savoir combien il y avait de chapitres pour savoir où on en était, où dans le jeu. On est quasiment à la moitié du coup. Ah, je l'ai fait celle-là d'énigme. Ah, écoutez, si je suis bloqué, je n'hésiterai pas à vous le demander à ceux qui ont la réponse du coup. Si jamais je suis bloqué, je viendrai vous voir. Parce que là du coup, ça va être de la réflexion, clairement. Alors, on va commencer par ça. On a fait une énigme un peu compliquée aussi dans le 3. Alors, on a une croix. Alors du coup, en vrai, il faudrait qu'on prenne le document et on regarde les trois croix. Okay, c'est ce que j'ai, là. La croix grise ou pas trop colorée, la croix bien colorée et la croix blanche. La croix blanche est à la gauche. Et au-dessus, il y a un point d'interrogation. Attendez, attendez, attendez. Ah, la lumière, c'est pour éclairer... D'accord, d'accord. Au-dessus, il faut éclairer une autre croix, en fait. Ok. Ah, mais non, mais il faut... Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. En gros, ça va être mettre les trois croix, c'est ça? Ah mais c'est facile cette énigme. Ah le saut il va en haut. D'accord, le saut en fait il va aller tout en haut les amis. Je viens de comprendre, ah oui d'accord c'est une énigme comme ça. C'est amusant. Incroyable. Ok comme ça, très bien. On va arrêter ici du coup. On va faire ça. Donc là du coup le saut ici. Voilà on arrête de bouger. Oui oui, ce qui fait de mettre le saut là-haut. Normal. Voilà. Et maintenant hop. Attendez, non, non. Ça tourne comme ça. Comme ça. Et la dernière, c'est celle-ci. Ah, non, non, non. Non, non, non. Il faut que je... Non, non. Voilà. On va laisser comme ça. J'ai trouvé l'énigme, les amis. Bon, j'ai compris. Voilà. Non, non. Pas là. Attendez. Attendez. Faut quand je tourne là... Attendez, je teste des trucs. Hein. Ça, je touche pas. C'est... Il y a le saut. Hop. Alors peut-être comme ça du coup. Je tente hein. T'as dit je le veux tout à l'heure et moi tu veux quoi? Il veut, on est mariés. Voilà, on s'est mariés avec Emile moi. Voilà, vous êtes au courant. C'est officiel, et moi on est en couple. C'est une blague, c'est une blague, c'est un joke. Ne prenez pas au sérieux, il y en a, ils vont croire que c'est vrai, ils vont vous poser des questions. Hop. Alors là, par contre la croix blanche, il faut un il y a un décalage. Elle a un décalage la croix blanche. Ah. Aïe aïe aïe, attendez, faut que je comprenne. Aïe 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 aïe. Moi, je vais préciser au cas où. On pourrait croire qu'on est vraiment ensemble. Hop. Alors attendez. Attendez. Regarde le carnet. Alors attendez, je regarde le carnet du coup. Le carnet dit qu'il fallait mettre le saut là-haut. La blanche, ouais, il y avait bien la blanche à gauche. Il y avait bien à droite la grande allée. Ah, la grande allée en haut. Oui, oui, bien vu, bien vu, bien vu. Oh, Karsten qui vient de me sauver la vie parce que j'étais en train de me tromper. Oui, bien vu, Karsten. Merci beaucoup. Oui, oui. Il a bien fait de me regarder le carnet parce que du coup, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, oui, non. C'est elle qui va à droite. Voilà, donc du coup, je redéplace celle-là. Je mets. Forcément, celle-là, il faudrait que je me la sépare un petit peu, quelques secondes. Hop. Non, toute seule, voilà, ici, toute seule, à l'écart, c'est chaud Alex, je te laisse faire, merci Risotto, merci beaucoup, merci, c'est incroyable, merci beaucoup Risotto. Oh, on essaye d'avancer tranquillement, franchement c'est pas mal, j'aime bien ce genre d'énigme, ça va me faire un peu travailler les ménages, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Alors, ok, alors celle-là elle est forcément à droite, ok, donc du coup, je crois que je l'ai peut-être, hein, le truc, hop, ici. Non, non, ici, 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 hop. Donc forcément, voilà. Si je fais ça comme ça, j'ai une idée. Non, non, pas d'indice, pas d'indice, pas de triche. Hop. Hop, on va essayer de décaler du coup ça.
Ah, on va y arriver, hein. N'inquiétez pas. Et là, du coup, il faudrait que je me mêle maintenant la croix. Non. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Attendez. En vrai, voilà, celles-là, elles sont... C'est l'inverse. C'est l'inverse, attendez. C'est l'inverse. Je confonds tout. Et salut, Risotto. Mais non, et salut aussi, j'ai dit bonjour, Risotto. Je suis con. Je dis salut, moi. Oh là 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 là. T'as pu, ça. Risotto, il est beau, en plus. Et il le sait. Hop. Ok. Alors, j'ai intégré celle-là, ici. Ok. Ensuite, je tourne là. Et normalement, là, j'intègre celle-là. Ah non, mais il y a l'autre qui va tourner, bah oui. Ah non, mais je l'avais, là, non. Oh non. Bah oui, c'est pas si simple, en fait. Ah. Attendez. J'ai testé un truc. C'est bon, là, on peut... Là, on est bien, là, attendez, on est bien, là, attendez. Là, on est bien. Là, on est bien, je crois. Je crois qu'on est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. On prend le levier et on l'active. Alors, tu veux actionner l'interrupteur. Allez, on meurt, c'est pas grave. On prend le risque. Allez, on y croit. On y croit. C'est bon, hein. Je suis pas mort. J'ai bien activé la bonne porte, c'est bon. On croit que c'est simple, Alex, mais Karsten a raison, prends ton temps. Karsten, prends ton temps pour les énigmes. Ah, mais c'est bon, on a réussi, Karsten. Merci à toi, merci à vous, et des bisous. Oh, coucou, mon cher Elcor. Du salut, du love et des bisous. Comment vas-tu, mon cher Elcor, aujourd'hui? Ça fait extrêmement plaisir de te voir, ma boule d'amour, le sorcier de l'émulation, qui est parmi nous aujourd'hui. Incroyable, il est beau, il est beau, il est beau. C'est un plaisir de te voir, mon cher Elcor. Comment vas-tu? Comment vas-tu, le beau Elcor? Et oui, si vous connaissez pas Elcor, les amis. Un très bon sorcier, mais celui de l'émulation, et je vous recommande fortement, je l'adore, c'est un ami de la chaîne, et je lui donne beaucoup de love et plein de bisous à toi. Comment vas-tu, mon cher Elcor? C'est plaisir de te voir. Bon, tu peux voir, on est beaucoup, ils sont tous en train de regarder cette belle énigme incroyable que je viens de résoudre à l'instant même. Oui, Elcor, ça va. Bon, du coup, les amis, on va continuer le chemin, on a fait cette énigme, merci encore à Risotto pour m'avoir dit de garder mon sang-froid, et ainsi que Karsten, merci à vous deux, plein de love à vous, et merci à ceux qui m'ont encouragé pour cette énigme. Et tu as dit quelque chose, James Sachs aussi, je crois, mais je t'ai loupé, hein. Attends. Ah non, tu as mis le SO, c'est bon, j'ai cru que tu avais écrit un message, James Sachs, c'est désolé, l'ami. Oui. Ok, on va écouter notre frère. Ah, on est en dessous de la cathédrale. La cathédrale qu'on a vue tout à l'heure, lors du dernier live, il y a une semaine de ça. Qui était un très bel endroit d'ailleurs, un très bel lieu à découvrir. Je peux plus faire de live mon casque Schneizender. Schneizender est HS. Je suis deg. Je sais pas si j'ai bien prononcé, c'est ça, je pense. C'est un casque Schneizender. Schneizender, un truc comme ça, voilà. Ah, j'ai essayé, hein, j'ai fait un effort. Ah, bah courage à toi, mon cher Elcor. J'espère que ça va le faire, du coup. 11. J'ai 11. Ah oui, le nombre de personnes. Mais oui, mais vous êtes beaucoup, mais ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Pourtant, je suis en train de galérer. Merci, c'est gentil. Vous êtes beaucoup, ça fait plaisir. J'aime bien quand vous parlez entre vous, vous discutez entre vous surtout. Ça fait toujours plaisir. Pendant que des fois, j'essaie de me concentrer sur une énigme, vous m'encouragez. Ça, c'est beau. Et ça, c'est si beau. Allez, hop, très beau saut là. Voilà, voilà comment il fait, Nathan. Il est fou. Bah, il aurait mis un crochet, empereur. salut, mon Elcor. Le PS5, c'est cool car il y aurait des rétrocompatibilité, effectivement, ouais, j'ai vu ça. Alors moi, je pense que je vais me la prendre, Karsten, je pense que je vais me la prendre courant 2021, pas de suite, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire sur la PS4, j'ai encore pas mal de personnes qui jouent dans ma liste d'amis, des grands amis à moi, des beaux amis, et j'ai pas envie de les abandonner pour faire une console, mais je la ferai, je la prendrai courant 2021, on se fera des jeux dessus, évidemment, à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas pour maintenant, ce sera dans 6 mois minimum, je dis bien minimum, plus tard ce sera fin d'année 2021. Mais on essaiera de voir pour ça apprendre quand même. Mais... Sennheiser, ah Sennheiser, d'accord. Un nouveau Roca tout neuf, j'attends son remplacement. Ah bah c'est cool ça. Bah, j'espère en tout cas que ce sera un très bon casque que tu nous proposes. J'espère que ça te fera... Attends, il faut que j'aille où là? Là, ok. Un très bon casque, j'espère que ce sera pour toi que... Et que la qualité de l'audio sera agréable et qu'il n'y aura pas de parasite audio, etc. Vraiment, je te souhaite de tout cœur que tu aies un bon casque, mon cher Elcor. Clairement. Elcor qui mérite beaucoup d'amour, quelqu'un que j'adore énormément d'ailleurs. Et qui mérite que du love.
Donc du coup, on a réussi à faire cette énigme. Là, on va essayer de progresser. On est sous la cathédrale, du coup, la cathédrale qu'on avait découvert lors du dernier live. Et là, on est en train de chercher peut-être le trésor d'Avril, hein, qu'on va peut-être enfin découvrir. Ah, j'espère qu'on va l'avoir, ce trésor. Évidemment, vu qu'on sait qu'il y a 22 chapitres, il va sûrement se passer quelque chose entre temps. Qu'est-ce qui se passera? Surprise! La surprise, les amis, la surprise. Oh là, c'est un labyrinthe de chemin, j'adore. Hop. Ah, ici, ils vont vraiment pas... Moi, je ne serais pas passé ici. Hein. J'aurais flippé, hein. Je flipperais. Est-ce que j'ai déjà... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà visité des catacombes, des lieux un petit peu restreints, un petit peu sombres, un petit peu souterrains surtout? Parce que ça fait vraiment flipper, hein, je pense, hein, vraiment. Il y en a qui disent, non, moi, j'y vais sans... C'est quand même flippant, on est quand même dans le... Alors, on n'a pas de réseau, on n'a pas moyen de contacter le monde s'il y a un souci. On est vraiment hors sur Terre, quoi. On est sous Terre, quoi. Enfin, oui, je voulais pas dire ça comme ça, mais j'avais pas mes mots, mais... Enfin, voilà, quoi, c'était vraiment... Ça va vraiment faire bizarre d'être dans un souterrain, des lieux un petit peu sombres, très restreints, très calmes. C'est une merde à 45 euros boule, quand même. Mort après un an, on me rembourse, c'est déjà ça. Oui, quand même. Heureusement, d'ailleurs, qu'on te rembourse. Heureusement qu'on te rembourse. Et oui, n'hésitez pas, merci, d'ailleurs, Empereur. Oui, si jamais vous voulez rejoindre le Discord, les amis, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord. Souvent, sur le Discord, je mets tout ce qui est... Oh, merci pour ton raid, Fenrir. Merci pour ton raid. Le salut, du love et du bisou. La meute est là. Et comment ça va, mon cher Fenrir? Merci à toi, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. Comment s'est passé ton live? Plein de love, plein de bisous à toi. Comment s'est passé ton stream? Ça me fait extrêmement plaisir de te voir. Évidemment, je pense que tu t'es renommé, hein. Je pense savoir qui tu es, du coup, et ça fait plaisir. Est-ce que c'est Captain Shadow, du coup? Plein de love, plein de bisous, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un bon live. C'était sur quoi? Ah, Captain Shadow, mais oui, j'ai reconnu Scarlett, après j'ai compris que c'était toi, et j'ai reconnu ton logo surtout, donc plein de love. Ça m'a fait plaisir de te voir, mon cher Captain Shadow, depuis plusieurs fois qu'on s'est pas croisé. C'est vrai que j'ai pas été beaucoup sur Twitch, j'étais beaucoup occupé. Mais j'espère que tu vas bien, ça fait vraiment plaisir de te voir. Et comment ça va, Scarlett? Comment vous allez? Comment vous allez, les amis? Hey, Fenrir, c'est pour ton raid, mais oui, la meute, mais oui, la meute d'amour. Plein de bisous, plein de love. On est sur Uncharted 4 actuellement, mon cher Captain Shadow. En pleine histoire, nous sommes dans le Uncharted Challenge, on est en train de faire le 4ème jeu sur 6. J'aurais dû indiquer qu'on est sur le 4ème jeu sur 6, d'ailleurs, j'aurais dû faire comme les gens ils font quand ils font des challenges. Vous savez quoi? Est-ce que James Sachs, c'est chaud pour modifier le titre et mettre le même titre avec un crochet 4 sur 6? Ce sera pour les Uncharted. À mettre un crochet 4 sur 6 quelque part dans le titre. Ou sinon, je le mets pas, hein, tant pis. C'est vrai que je le signale pas assez, ça. Renommé pour entraînement code avec eSport Squad. Ah, bah c'est cool, ça. Ah, bah c'est cool, ça fait plaisir. Phasmophobia. Oh là là, mais j'aurais tellement voulu faire ce jeu. J'adore les jeux d'horreur, en plus. Je kiffe ça. Trop fort. Mais oui. Je reconnais les copains facilement quand je les vois. Écoutez, Shadow, c'est un copain, et je le reconnais direct quand il apparaît. Une personne d'amour comme lui, je suis obligé de le voir. Ouh là là! Ah! Nadine! Et comment s'appelle lui déjà? J'ai plus son nom. Grad, Rain, ah, j'ai plus ton nom. Rafe, voilà. Rafe. Alors attendez, je vais vous lire en même temps dans la tête. Alors attendez, je vais vous lire vos messages en même temps. Ok. Mais je sais pas encore comment ça va être géré par les serveurs. Mes soucis, c'est le stockage de la console. Et aussi, c'est le port SSD annexe. La console va activer. Une dépendance juste sous la cathédrale. D'accord, ok. Ouais, bah j'espère qu'ils vont pouvoir arranger ce souci. Ouais, je sais pas comment ça va être géré non plus. Il y en a qui ont de la PS5 d'ailleurs. Pourquoi? Je le veux. Mais ouais, je vais voir comment ça va être géré également, Carsten. Il y avait vraiment plus grand chose. Plein de love. Plein de love, mon fier. Je peux partir 10 coulées, genre. Ah, mais pas de soucis, mon cher empereur Kelusa. Plein de bisous, plein de love. Encore merci d'ailleurs pour ton follow en off. Et merci d'être venu faire un coucou. Ça fait vraiment plaisir. Et peut-être à plus tard si tu reviens entre temps. Plein de bisous à toi. Et plein d'amour. Ok. Hop. Merci. Ah bah merci Scarlett. Ah merci, oui. On a fait un event, oui, je vais vous expliquer juste après pour ceux qui viennent d'arriver. Plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines. Merci à vous, merci Scarlett, et oui, je vais vous expliquer après, les amis. Pour ceux qui viennent d'arriver. Que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. La méthode de Nadine, elle est vraiment, on l'a vu comment elle se bat. Faire disparaître cet endroit. Non,
Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Ouh là là, il y a un problème entre Raph et Nadine. Pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, merci Demsax. Mais je pensais pas qu'il se pointerait là. T'as mis deux fois le T, Demsax, dans Title. C'est pour ça, remets le même copie-coller et enlève un T à Title. À Title. T'as mis deux T. Sur Title. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Merci Demsax, plein de love et des bisous. Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Bon, je suis la cinématique et je reprends le dialogue, hein, les amis. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en peut-être soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Ouais, je suis d'accord. S'il est pas là. Je suis pas avec eux, mais je suis d'accord. Même si c'est des méchants. Il serait temps de passer à autre chose. Anadine, elle se bat bien. D'ailleurs, on l'a vu, elle se battait très bien face à Nathan Drake. Hey. T'as oublié un T, Demsax. Entre le T de Title et le 7. T'as oublié un T, Demsax. Évidemment. T'inquiète, tu vas y arriver, mon cher Demsax. Tu vas arriver, mon cher Demsax. Ah, c'est le seul souci de ce jeu, c'est quand il y a des dialogues, moi j'aime bien parler avec vous, et quand il y a des dialogues, je suis obligé de me calmer. Et pas parler. Ouh là là, il y a un embrouille entre Nadine et Raph. On trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Ou qu'il se mette à copuler. Ouais, voilà, c'est le title. Le pauvre Demsax. Et salut à toi, Brutonours. Le salut, du bisou et du love. Je l'ai fait dans le désordre, mais bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas bien et enchanté. Bienvenue. N'hésite pas à poser des questions si tu veux savoir ce que je fais de beau ici. Actuellement, je fais d'Uncharted, comme tu peux le voir. Et bien, bienvenue parmi nous. Tu vois, les gens sont très gentils ici et tu es le bienvenu. Installe-toi et n'hésite pas à découvrir la chaîne. Merci, Demsax. Du love à toi et des bisous. Merci beaucoup. Alors, on continue nous notre épopée Uncharted avec Nathan et avec Samuel Drake. Donc du coup, on essaye de continuer l'exploration. Alors, il faut aller où? Ok, on peut aller là en bas. Merci encore Demsax pour le titre. Mais tu dors pas encore? Enfin, tu n'es pas... tu es encore là, mon cher empereur? Allez, bye à tout, d'accord. Cette commu est toute... Et comme tu l'as dit, beaucoup... Ah, ok. Comme juste... Oh, oui, pardon, j'avais pas bien compris ton message. Excuse-moi. Oui, oui, elle est vraiment gentille, cette commu. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow, du coup. Attends, j'ai du mal à... Brutonours, voilà, Brutonours, je vais retenir du coup. Merci encore, c'est gentil. Du love et des bisous à toi et bienvenue dans la commu. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. On n'hésitera pas à te répondre, que ce soit les modos, les habitués de la chaîne ou moi-même. Si tu as des questions sur ce que je fais, sur toi, qu'est-ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux par rapport au gaming, n'hésite pas, vraiment. On n'hésitera pas à te répondre et à te répondre si jamais tu as des questions aussi sur des gens en particulier. Voilà, enchanté en tout cas et merci pour ton follow, ça fait vraiment plaisir de ta part. Ok, donc du coup, on traverse avec la corde, hop. Ok, on vient pas de là, non? Non, ça me dit rien, on vient pas... Non, on vient pas de là, bah, attendez, on est bloqué là, du coup. On est bloqué ici, hein. Ça sent l'embrouille. Ça sent l'embrouille dans pas longtemps, ça. Attendez, pourquoi... Ouais, ah! Il va peut-être nous aider. Merci, Brutonours, mais merci. Ok. Attends, t'as un trampoline, toi? J'aimerais bien. Il faut la faire comment là du coup? Ah, attendez. Hop. Ok. Il observe. Oui, il y a une caisse là-haut. Mais comment on y va? Ah, bah attendez, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. En gros, je prends ma corde. Hop. Et en gros, le but, je pense que ça va être de monter. Ah, voilà. Par ici, par ici, par ici. Descends. Ok, il y avait un passage secret. Effectivement. Hop. Ouh, tout juste. J'ai sauté trop vite. Tout juste. Incroyable. J'ai failli me gameler, on peut le dire. Hop, voilà. Nous avons trouvé le bon chemin. Il fallait aller là en premier pour descendre la caisse, évidemment. Attends. Attention Samuel, j'envoie une caisse. Voilà, j'envoie la caisse. Voilà, incroyable. Incroyable. D'accord, merci à vous pour votre soutien. Oui, donc du coup Scarlett et Captain Shadow, bon, je pense que vous étiez un peu au courant. Parce que du coup, ce que Scarlett en parlait, c'est qu'elle l'avait vu. En gros, ce week-end, nous avons fait un live caricative. Il y avait Emile Moi, James Sachs et Max Foom présents parmi nous qui étaient là lors de l'event. Nous avons fait ça avec 16 streamers d'amour pour une belle association qui était la Ligue contre l'obésité proposée par l'ami Emile Moi qui a beaucoup voulu qu'on soutienne cette belle association. Et ça nous a fait vraiment plaisir de faire ce choix. Et du coup, nous avons récolté 1664€. Encore merci à tous les donateurs, à tous les participants, les streamers, les viewers, les modérateurs. Vous étiez tous au top, vraiment. Merci à Lilith pour son organisation. Et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, cet event. Ça restera inoubliable dans ma vie. Ça restera gravé dans ma mémoire et pour jamais. Enfin, pour toujours plutôt, pour jamais. Pour toujours. Et du coup, merci encore. Voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez bien aimé l'event. Donc merci encore.
Et du coup, merci également à toutes ces personnes. Voilà, 1664 balles d'amour. Donc du coup, maintenant, on est bloqué. Ah non, il y a une corde là, ok. Alors... Ah d'accord, je comprends le délire. Ok. Ça va, la caisse elle descend pas. On a de la chance. Hein. Je joue de temps en temps avec Captain Shadow. D'accord, bah enchanté en tout cas. Du love et bisous à toi et bienvenue. Ouais d'accord, ok, enchanté. Ça fait plaisir, bah écoute. Nous on joue principalement un peu de tout. On fait vraiment de tout ici, écoute. On est en train de faire des let's play, on se fait du multi des fois. Tous les semaines, on fait une émission, on fait inviter un ami streamer, viewer, ou quelqu'un qu'on connaît assez bien sur la chaîne, pour faire une émission où il peut repartir avec des belles récompenses à la fin, un sort de giveaway, mais version pour une seule personne, et sur un jeu qui s'appelle Apprendre ou à laisser, que vous connaissez peut-être beaucoup en France, ou Deal or Not to Deal pour les Américains, peut-être, les Québécois. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette émission. Et la deuxième émission sera ce jeudi à 17h. Si James Sack, tu veux faire un point d'exclamation planning, n'hésite pas pour montrer le planning de cette semaine qui est déjà tout préparé. Tout est fait. Et merci encore à tous ceux qui ont participé pour le défi communautaire. 45 000 points de chaîne en moins de 21 jours pour ce jeu incroyable. Merci à vous tous, car vous avez tous contribué à ces points de chaîne. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Attends, il faut le mettre où, ça je comprends pas trop. Oulala, il y a un petit problème. Ah, peut-être qu'il faut que je le mette là et que je remette la corde. Ah, ok, oui, j'ai compris. Faut que je descende en rappel, je pense. Ok. Ok, très bien, faut que je descende en rappel. Ok, j'ai capté. Attends, il fait bouger la caisse, la tourner. Hop. Et merci pour le planning. Voilà, n'hésitez pas à aller checker le planning pour ceux qui s'intéressent. Hop. On y va. Ok, on y est. Ouh. Et oui, n'hésitez pas. Ah oui, j'aime ça, merci. Ouais, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas les modos ou coucou aux arrivants. Mais oui, merci Risotto. Tu veux dire ad vitam aeternam. Exactement. Je remonte vos messages, j'aime bien lire tous les messages, j'aime pas louper des messages. Voilà. Merci pour les. N'hésitez pas à voter pour le jeu en vrac que vous voulez voir ce samedi. Donc samedi 14, je crois. Attendez, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, samedi 14, je fais le jeu en vrac comme pendant deux semaines, je fais. Ah, comment vous expliquer ça? Cette semaine, je vais faire du jeu en vrac, la semaine prochaine également. Et après, on ne fait pas du jeu en vrac, on repart sur deux semaines de jeu en vrac, pause, etc. Et cette semaine, il y a une nouvelle liste, évidemment, avec Song Shape, Genshin Impact, Dark Souls 3. Il y a également Marvel Spider-Man Arcade Revenge. Et il y a Alex Kidd in Miracle World. Et pour finir, j'ai également mis Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. Un RPG juste magnifique, très très beau. Et que j'adore beaucoup. Donc, enfin, tous les jeux, je les adore. Hein, donc, n'hésitez pas. Dans votre, il y a une erreur à Oracle of Age. Ah, non, il y a un S à Oracle of Ages. À Oracle of Edge, il y a un S à la fin. C'est Oracle of Ages. À moins que. Attendez. Est-ce que quelqu'un pourrait regarder si j'ai bien mis un S à Oracle of Ages? Bon, les fautes, c'est rien, vous savez. Le principal, c'est que vous votiez. Hein, même si ça fait pas professionnel. Tant que vous votiez, c'est pas grave. Moi, je suis pas. C'est pas très grave. Si je fais des erreurs, je dis bon. Ah! Ah oui, il faut que je descende. Ok. Nickel. Bon, on est vraiment dans le mode souterrain aujourd'hui. On est vraiment en train de visiter les souterrains du jeu. Il y a écrit Oracle. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, pour maintenant, je peux plus le modifier. Donc, au pire, s'il y a une faute, bah. Pourtant, j'ai vérifié une fois avant de valider. Bon, tant pis. Au pire, c'est quelqu'un qui a dit une faute. Vous dites le Don Alex est au courant. Voilà. Vous dites le Don Alex est au courant de sa faute et il l'a remarqué, ne vous inquiétez pas. Ok, faut y aller. Oulala, ça. Vite. Ok, attendez, je vais basculer ça. Il y a un C en trop, mais bon, c'est pas grave. On comprend quand même, bon, pas très grave. Ah oui, d'accord, il faut qu'il monte avec moi. Monte. Ben, il fait quoi? Ben, monte. Merci. Oulala, le frangin a fait me faire tomber. Faut dire la vérité, le frangin a fait me faire tomber dans le vide, là. Bouge pas. Hush. Ok. Très bien. Ouh. Hop. Ok. On escalade. Ok. Pour l'instant, on sort très très bien. Allez, hop, dépêchons-nous la roue. Ok. Ok, je m'occupe de la caisse qui est là, attendez. Ben, ça donne que... Voilà, quoi. J'arrive. Ah oui, d'accord, bah oui, pas con. Faire un contrepoids, évidemment, pour qu'on puisse tous les deux passer en hauteur, ouais. Bien vu. J'arrive.
Hop, j'arrive avec une caisse, mais elle est très très lourde. Elle est très très lourde en soi, donc c'est pas facile à... Attention. Wow. Ah oui. Oh, cette scène incroyable avec le magnifique, il faut le dire, le magnifique saut de notre beau Samuel Drake. Ah. Oula, oula. Non, non. C'est bon, merci. Oula, on est chaud. La prochaine fois, demande sur le Discord pour les votes et les sondages. Sur le Discord. Ah, que je le mette aussi sur Discord. Ah oui, je peux faire ça également. Oui, oui, c'est parce que c'est vrai, je suis pas énormément sur Discord, à part pour les annoncer que je vais faire un live ou des petits trucs. Mais en vrai, il faudrait que je trouve une personne qui puisse soit mettre ça, ou alors que je puisse mettre ça, mais... j'ai du mal à un peu tout gérer avec Twitch, sachant que je suis pas... Mais frère, bien vu, bien bonne idée. J'aime bien vos initiatives, c'est bien. Faut même pas hésiter à me les donner, j'aime bien. Merci Karsten du coup pour son initiative de proposer. Oui, ce serait pas bête de mettre sur le Discord ou. En vrai, je devrais mettre la commande sur le Discord, ouais. Les gens peuvent le voir également sur le Discord pendant que je suis pas en live. Ça peut être une bonne idée. Ok, là nous sommes dans un nouveau lieu. Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il ? Il est top. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh, eh oui. Touche pas. Quoi ? Oula, oui, c'est le piège, la balance. C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Ouais. Bien. Ça sent. Si tu actives, le piège s'active. La cupidité. Attends, je vais mettre mon coussin comme il faut. Hop. Bien, son contraire. Ouais, le Discord, c'est le hub de la commu, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Est-ce que James Sachs. Vous tout de suite, vous êtes beau. Quelqu'un ou James Sachs veut faire la première escalation de Discord, n'hésitez pas. La commande n'est pas modo, elle est pour tout le monde, donc n'hésitez pas à la faire. Si vous voulez rejoindre le Discord pour être à jour sur ce qu'on fait actuellement. Quasiment, ça fera l'affaire. N'hésitez pas. Attends, une seule d'abord. Hop. J'ai compris. Une seule pièce. Faites que ce soit ça. Ouais, il fallait en retirer une pièce. Mais quand il a pu comprendre cette énigme, incroyable. Oh là, ils sont trop en avant sur moi en fait. Là, j'arrive pas à les suivre. Là, c'est juste les boss. C'est juste les boss. Faut dire ce qui est. Hop, une petite goutte d'eau en attendant. Merci Karsten pour la bonne exclamation de Discord. Merci à toi. Merci beaucoup. Au niveau de la portée. Une étoile. C'est la paix du roi. Absolument. Ok. À quoi c'est quoi? C'est quoi, c'est un piège ou alors il est... Non, à mon avis, il y a un autre truc à faire. Tu parles. Ce qu'on a pris. Ouais. Il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein? Pourquoi il s'énerve? La mais... paix du roi, c'est bien. Oh, frangin. Quoi? C'est le frangin. Oh, une autre planète. Ah, il a caché plus loin, on va dire. Nathan. On va dire ça comme ça. Paradis. Bonne continuation à toi, Alex. À la prochaine. Merci d'être passé, Brutinours. Merci à toi. Le love, le bisou et le salut à la fois. Merci beaucoup de ton passage. Et merci pour ton solo. Et. Oulala. Ah, va y faire pause pour dire au revoir à Brutinours. Et puis plein de bisous à toi. Et merci encore de ton passage. Ça fait plaisir. Et bon après-midi à toi. Et à très vite. En tout cas, merci encore. J'ai enchanté de te connaître. Hop. Un poids, il y a une masse de cette côté, ce que tu mesures. Ah, bien vu. Très bel raisonnement. J'en ai une de balance pour la cuisine avec ce système. Karsten, t'es juste le meilleur, en fait. C'est juste le meilleur. Je peux pas dire plus, t'es le meilleur. Tu as tout compris. Qu'est-ce que tu dis? Trop bien vu. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Ils sont devant nous. Non. Non, ils sont venus plutôt. Revenez à la cathédrale. Tout de l'inverse. Suivez les trous. On est devant eux. De on est devant elle. Pas avant que je sois arrivé. Oh, bah ça va, on attend de survivre alors. Nadine. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est pas bien. On peut pas se bagarrer avec le corps à corps, elle est forte. Oui, mais. D'ailleurs, comment ils savaient qu'on allait être ici? Ça, j'ai une... c'est une bonne question. Par contre, c'est pas précis du tout comme système. Pour le découvrir. Ouais, c'est vraiment fonction de la pièce, comment elle a été faite ou quelque chose comme ça, non? Laissez-moi deviner. Vous deux? Parce que les pièces sont pas forcément toutes égales, on sait pas quoi. Mais ça risque de prendre des années. Désolé pour vous, mais je suis... C'est des écus, ouais, c'est pas des pièces, c'est des écus, on dirait. Apporte-moi le crucifix. Donc c'est des pièces un peu plus grosses, un peu plus lourdes. C'est à... pas un crucifix. À... Oh. En termes de poids, la pièce, elle est plus différente. Ce crucifix, c'est le plus grand. Ouais, bon. Enfin, c'est plus... le rayon, il est plus important, on va dire. Le touche pas! Oh mon dieu, oh mon dieu! Ah!
Oh, le son du vieux est fort, hein. Le son du vieux est fort, les gars. Ouais, le son du vieux est très fort. Je baisse le son du feu, il m'a détruit les oreilles, là. Ok. On a pas une arme. On n'a pas d'arme. Attends, Samuel, on a pas d'arme. Aïe. Oh là là. Ok, ok, très bien. On vient de prendre une belle chute. J'arrive, j'arrive, Samuel. Ok. Allez. Hop. Oh là 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 là, tout s'écroule. Oh là là, c'est un jeu de plateforme là, ça y est. Hop. Voilà. C'est bon. Bien vu. Ok, il y a d'autres ennemis ou pas là? Ah oui, il y a des ennemis là-bas. Hop, on va avoir mon shoot incroyable. Ah bah non. On a tué qu'un gars. Il fallait qu'on aille où maintenant du coup? Là on est perdu là. C'est devenu un gros bordel. Je sais pas, on est bloqué. On est bloqué. Au secours. Ah. Ok, faut qu'on aille en haut, d'accord. Je viens de voir, il y a une corniche avec une corde. Ok. Go se balancer. Go. Hop. Non, non. Ok, go. Ok, on arrive. Putain, mais ils sont partout, hein. Ah, il est là. Hop, hop. Petit coup de crosse, on se cache et on le bute. Hop. Est-ce qu'ils vont. Cache-toi, on va se faire tuer sinon. Non. Non, mais. Et ce jeu aussi. Mais non. Mais je crois que je suis mort comme ça, quoi. Il y avait 3 ennemis seulement. Quoi, il y en aurait 15, je comprendrais, il y en avait 3. Ok, attendez, j'essaie de me concentrer pour bien les tuer. Oui, il y a l'usure des composants. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ça, c'est mal fait comme système, en vrai. Hop. Hop. Attendez, j'essaie de me concentrer parce que là, c'est pas facile. Hein. It's not simple. Mais attendez, pourquoi je me prends des balles, là, encore? Ok, non, c'est bon, je ne prenais pas de balles. Eh, je lui ai mis une belle balle dans la tête, là, il n'est pas mort. J'ai dû louper mon tir. Sur la balle dans la pleine tête, j'ai dû louper mon tir. Ok, il est où, le gars? Ah, il est là. Hop. Bye. Voilà. Ok, on est bien. Continuons. Si on sortait de cette grotte, déjà, ce serait cool. Pour la fausse, si c'est de la monnaie espagnole, c'est des reals par les escudos. Ah, intéressant. Ouais, si c'est de la monnaie espagnole, hein. Je sais plus, on est où? On n'est pas en Suède ou quelque chose comme ça, d'ailleurs. Hop. Mais ça, c'est un truc comme ça. On est parti en endroit un petit peu écossais ou la Suède, je sais plus. Soit la Suède, soit l'Écosse. Hop. Hop. On y va. Ah, moi j'ai l'habitude de tuer au corps à corps ou alors au sniper. Voilà, le pompe vient bien. Ça, c'est une arme. Y a peu de chance que tu toupes. Hop. On esquive. Bon, j'y vais. Bonne soirée à tout le monde. Des bisous. Et à bientôt. Hop. Merci d'être passé, mon cher James Sachs. Merci encore pour ta modération, pour ta gentillesse. Tout ça, tu sais bien, James Sachs. Hein. Ça fait toujours plaisir de te voir, mon bras droit. Le salut, du love et des bisous. Et on se revoit de façon très très vite, hein, le James Sachs. Évidemment. Plein de love et plein d'amour à toi. N'hésitez pas à aller voir James Sachs si vous ne connaissez pas. Très gentil streamer et c'est un ami de la chaîne. Depuis très très longtemps. Bisous, mon James Sachs. Des raisons en français. Des réos en français. Et les escudos sont des écus. Ok. Merci, du coup, Carsten. Carsten est magnifique, j'aime bien, moi. Quand on me donne des belles précisions comme ça, j'adore. Magnifique. Hop. Ok, attendez, je me cache. Allez, montre-toi, toi. Ah non, j'ai loupé mon tir. Hop. Évidemment, on s'entraîne à me viser parce que la dernière fois, je me rappelle la fois qu'on a fait un live dessus. Mais le tir était un peu dégueulasse, hein, faut le dire. Lors de la réception là. Cache-toi. Ne montre pas trop vite. Ok. Et GG le level up. Oula. Hop. Hop, d'ailleurs, j'ai modifié un peu les titres pour les level up parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis des nouveaux titres, etc. Peut-être vous mettre des nouveaux titres, un peu plus de titres par rapport à la Familia. Parce que là, du coup, nouveaux membres, etc., j'essaierai de mettre des trucs petit à petit pour que vous ayez plus de titres possible. Hop. Je m'interagis bien avec les points de. Enfin, les level up, mais là, je voudrais un petit peu laisser le truc. Moi, j'aime bien que je le laisse, hein. Tant que ça démasque pas les lurkers, ça me va. Parce que j'ai un horreur que ça démasque les lurkers. On va aller où?
On doit aller où? Là hein. Oui, c'est là. Ah oui, c'est oui, c'est là. Alors, attendez. Hop. Voilà. Bien tiré, ça. L'histoire et les langues étrangères, c'est pratique. Mais grave. Moi, j'aime bien, en plus. Je suis quelqu'un qui est curieux, de base. On dirait pas comme ça, mais je suis curieux. C'est-à-dire que vous me donnez un renseignement, j'aime bien. Moi, ça me sert beaucoup. Ok. Attendez. Attendez. Ouh là là, mais il est chaud, lui. Hein. Le nouveau gars à la tourelle est plus fort que l'autre. Hein. On récupère. Hop. Évidemment, il se prend des balles, mais il est pas mort. Là, il est mort. Ok. Ensuite, il y a lui. Voilà, il est mort. On l'a eu. Ouh. Attendez, je vais reprendre 2 secondes de téléphone parce que j'ai pu... Hop. Mon téléphone, il bug beaucoup. Faut dire ce qu'il y a, mon téléphone, il bug pas mal. Hop. Huch. Huch. De droite. Voilà, on l'a eu. GG. Oula. Oh non. Non, pourquoi ils prennent la tourelle maintenant? Mais jamais au bon moment, ils prennent les tourelles, les gens. Non, j'ai tout géré, là. Bute-le, bute-le. Hop. Et on s'occupe de lui. Hop. Allez, bien vu. Hey, salut, salut, très bonjour. Salut, Tchitchoun. Le salut, du love et des bisous. Comment vas-tu, Tchitchoun? Ça fait plaisir de te voir. Comment se passe ta semaine? Comment tu vas depuis? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Ça fait plaisir de te voir, comme d'habitude. Je suis toujours content de vous revoir quand vous n'êtes pas depuis un moment. Comment ça va, Tchitchoun? Ça fait plaisir de te voir. Très bon jeu. Ah, Uncharted 4, ça fait partie des plus belles. Un des plus beaux jeux de cette console, hein, vraiment. Faut dire ce qu'il y a. Vraiment, moi, c'était une très belle découverte sur cette console. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de le refaire. Attention, qu'on fait tous les Uncharted sur la chaîne et tous les Ratchet & Clank. Là, on en est aux 4. Après, on se fera Lost Legacy, mais vraiment avec plaisir, quoi. Ah oui, bah attendez, ça, j'étais pas au courant. Oula, attendez, oui, il y a un laser, ok. A compris. Hop, ok. C'est bon, j'ai eu le sniper. Comment vas-tu, mon Tchitchoun? Ça fait plaisir de te voir. Comme tu peux le voir, on est à fond dans le jeu, là. On est vraiment à fond dans l'ambiance. Ah, ça bouge beaucoup. Hein. Merci, ça bouge beaucoup. Ok, allons-y. Hop. J'ai repris le taf, donc pas beaucoup de temps. Bah ouais, je me doute. Tu penses quoi de la sortie de la Xbox? Je l'ai pas vu du tout. Ah, je me suis pas adressé du tout. Mais il faudrait que j'aille regarder, du coup. Je te donnerai mon avis si jamais je te recroise à la prochaine fois. Je te le dirai, du coup. Après le live, j'irai regarder ou... Cache-toi là. Ouh là là. On se cache. C'est un A comme jeu au niveau budget. Ah bah oui. Hop. Au niveau snipe, vous connaissez. Attendez. Je vous dis ça, mais je vous fais des tirs de merde. Attendez. Hop. Ok. Ah, ok, j'ai plus de balles. Faut que je prenne des balles de sniper. Non, pas de grenades, s'il vous plaît. Genre des grenades. Recule, recule, recule. Recache-toi. Là-bas. Voilà. On a le courage pour le boulot, en tout cas. J'espère que ça se passe bien, ton boulot, et que tout se passe bien pour toi. Ok, hop. Esquive. Hop. Eh, j'ai mis dans la tête, je l'ai touché, là. Bah ouais, j'ai touché dans la tête, normalement. Ah, moi qui adore le snipe dans les jeux vidéo. Ah, ça. Je kiffe ça. Le snipe, c'est vraiment une arme que j'aime le plus. C'est mon arme préférée, clairement, dans le type de catégorie d'armes. C'est mon type de catégorie préférée, les snipers. Hop, le para, évidemment. L'arme. Oh! Qui me tire dessus? Bah, attendez. Ils sont en train de l'arriver. Bien vu. Bien joué, Samuel. Ah oui, il est caché dans le décor, lui, regardez. On le voit pas, il est caché dans le décor. Trop bien caché, mon pote. Allez, ça va, c'est mort. Hop. Hop, on essaie de gérer un maximum, les gars. Enfin, merci à vous tous, hein, pour votre gentillesse, quand vous passez, donner du love, etc. Enfin, merci jamais assez, là, j'en profite qu'on est en mode tranquillement. Là, on va le gérer, le passage-là. On va éviter de mourir, quand même. Merci encore à vous, hein, pour tout ce que vous avez fait depuis le début de la chaîne. Je parle bien depuis un an et demi, presque, où j'ai repris mes lives. On va pas compter la période de 2017, puisqu'elle est très très ancienne, et que j'avais fait une grosse pause de plus d'un an après. Donc, du coup, je la compterai pas, mais cette période, depuis 2019, vraiment... Merci beaucoup. Je pense que pour mon anniversaire, on fêtera un petit peu la chaîne, entre guillemets, en soi. Au mois de mars 2021, on fera une belle fête tous ensemble sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la chaîne. Parce que ça me fait vraiment plaisir de proposer du contenu, de passer des bons moments avec vous. Et ça, je n'oublierai pas, quoi. Ah, faut que j'aille par où? Faut que j'aille par là, non? Ah, bah attendez, on est bloqué là, non?
Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il faut faire là? Attendez. Oulala, là là, attendez, ça sent l'énigme ça. Oulala, là là, attendez. Attendez. Ok. Très bien. Je fais le tour du véhicule, voir si j'ai pas loupé quelque chose. Ah! L'entrée. Ah, ok, d'accord. Il fallait que je prenne l'entrée, on a dit qu'il faut prendre le contrôle. Demain, la sortie pour la série X et. Enfin, X et S. Ah, bah écoute, j'espère que ça va être une belle, des belles choses pour ceux qui vont acheter la Xbox. Bon, moi personnellement, je ne prendrai pas la Xbox Series du tout avant des années, je pense. Mais j'espère qu'elle va bien marcher, cette console. Ah, il faudrait peut-être que j'aille là, en fait. Ouais, il faudrait peut-être que j'aille là, mais depuis cette plateforme-là... Waouh. Ah, attendez. Ah, attendez, attendez. Ah, attendez. J'essaie de comprendre, parce qu'on a dit ça doit se faire chier avec ça, non? Je sais pas. Donc, si quelqu'un a compris, là, je suis bloqué. Hein. Clairement, je vous le dis... Officiellement, je suis bloqué. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Attendez, c'est moi qui rêve ou alors c'est juste. J'ai pas vu. Bah, attendez, on est bloqué là, non? Ah, peut-être là. Bah, non, pas grimper. On est bloqué, clairement, on est bloqué. Je sais pas ce qu'il faut faire, les amis. Au secours! Help! Bah, attendez, c'est pas normal là. Attendez. C'est là, la suite, elle est là. Ok, on y va. Il y avait rien à faire, c'est là. Ok. Oh non, pas louper une balle de sniper, pas moi. Non, moi louper une balle de sniper, ça c'est compliqué. J'adore le sniper et quand je loupe une balle, je m'en veux tellement. On dit j'ai loupé une partie de mes tirs, quoi. Oh, un mettleur, c'est un sniper, ça. Oh, pas mal, ça, attendez. J'ai pas changé d'arme. Ah oui, j'ai les deux snipers, je crois, non. Attendez, non. Attendez, hop. Et à place de ça, je vais prendre le sniper. Je vais tester. Ah bah non, je peux pas. Bon bah, on garde le masure, hein, évidemment. Très beau sniper, on va le garder. Donc évidemment, là, on va pas prendre le sniper pour eux. Bon, pas la peine. Hop. Ok. La série. Alors, la X, c'est la grosse. Et la S, la petite. Sans lecteur disque, entre 500 et 300. Ah oui, ils ont fait une affaire pour attaquer la PlayStation. Là, ça va direct. 300 l'autre. Là, elle coûte 400 sur. Elle coûte 400 de base sur la PlayStation, enfin le prix c'est de 400. Ah là, ils ont bien fait le coup là, ils ont bien raison. Vous êtes malin. Hop. Évidemment, vous connaissez mes arrivées incroyables. Ah non, arrête Alex, tu aurais loupé des balles de snipe, ça va pas ça. Mais non. Ah, je sais pas ce qui m'arrive avec le snipe là. J'arrive pas à tirer. Bon, tant pis, allez hop. On va faire autrement, c'est pas grave. Ah bah là, je suis mort, clairement je suis mort, c'est obligé. Ah non, peut-être pas. Ils vont me voir comment en face. Aïe, la grenade magique. Ah, bien vu. Très belle grenade en perspective. La nouvelle hygiène de console a déjà un catalogue bien fourni. Ouais, j'ai vu ça, ils ont prévu quand même pas mal de jeux à la sortie de la console. Non, c'est cool. Sur ce côté-là, c'est cool. Il y a pas mal de jeux prévus. C'est vraiment, bah, vraiment bien. Vraiment, good ID, on va dire. Ok. Bon, là, on a un problème. Clairement, on a un problème, il faut le dire la vérité. Il est où? Ah, il est déjà mort, ok. Ah, on a un AK au cas où. Ok. Hop. Bah voilà. Ah, bien vu, il fait sauter là. Ah, il a bien joué, le collègue. Hop. Oh là 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 là, quel jeu incroyable. Plein de cascades. On croirait dans l'air de Cobra, mais version à pied. Pas en véhicule. Oh là là là. Ok. Au moins, la bonne nouvelle, on avance. Attendez. Hop, comme ça ils vont arrêter de me faire chier de l'action à la droite. Ok, ah, il y a lui, il est vivant. Ah, intéressant. Ok, il faut que je m'occupe de lui en premier. Ok. Ouh. Ensuite, il y a lui là-bas. Ah, grenade magique. On esquive. Bien vu le Don Alex, incroyable, les esquives. Et les grenades, ils les visent bien, mais... Ah, on va aller par là. Ok, bon, je vais mourir peut-être, on recommencera ici au pire. Pas très grave. Alors attends, je vais voir le message de Carsten. Je vais lire ton message, Carsten. Du coup, attends, j'essaie d'avancer un petit peu le lieu parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, je trouve, dans cette base. Hop. Ok. La PS5, c'est 500€. Avec le lecteur, 400€. Voilà. Donc, en fait, il y a même configuration à payer stockage. Ok, d'accord. Ok, donc il y a peut-être leur raison aussi. Hein, en fait, ils ont mis à 400€ et pas à 300. Je crois que la PS4 de base, elle coûtait le même prix, quoi.
En même temps, la X est la console la plus puissante du marché. Ah ouais, d'accord. Qui plus est couplé au Xbox All Access, Xbox Series avec 2 ans d'Ultimate Game Pass à partir de 24€ par mois. Pendant 2 ans, c'est royal. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ultimate Game Pass, ils vont mettre. Ah, c'est un nouveau truc du coup, ça. C'est intéressant à suivre. À faire en cours. À suivre ça, les amis. Les copains. Hop. Ouais, c'est intéressant. Il faudrait que j'aille lire un petit peu les articles. Hein. Je suis pas très lecteur d'articles de base, mais il faudrait juste de temps en temps. Pour comparer, peut-être s'il faut, des fois je suis peut-être baissé sur la PlayStation et la Xbox elle est mieux. Hein. Faut que j'aille voir ça. Hop, alors là il faut qu'on saute. Ah, là il y a un chemin. Ok, on va. Je pense qu'on va quitter bientôt le lieu, hein, vu là l'ambiance qu'il y a là, on va pas tarder à changer d'endroit. Ça sent que l'ambiance elle change là. Hop, allez dans l'eau. On y va. Ok, on y arrivait. C'est bon. Vite. Puissant ne veut pas dire optimisation. Ah oui, après il y a aussi l'optimisation qui est à prendre en compte. Ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être le cas, ouais, bien vu. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos retours sur les jeux que je fais en live. Quand je suis sur Uncharted, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sans forcément spoiler, hein, évidemment. Mais genre, si vous en pensez du bien, si vous voulez, vous avez du mal, etc., n'hésitez pas à tout dire. J'aime bien avoir les avis des gens sur les jeux que je fais. Ah, on va à Madagascar, ok. Alors, la RAM des séries est organisée dans la même manière que les One, c'est-à-dire dans deux blocs. Je peux participer au Geiger PS Microsoft, c'est pour les nerds. Ah, après, t'as peut-être raison aussi. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Geiger de consoles, comme bah, toutes les consoles Geiger qu'il y a eu à l'époque, la Xbox, PS2, etc. Quoi. Ah, voilà. Non, après, c'est une console à sa particularité, genre. Par exemple, sur la Xbox, il y a des jeux qu'on attend. Peut-être un Sea of Thieves, peut-être deux, hein, qui sait. Et sur la PS4, PS5, il va y avoir des grosses exclus, genre peut-être Uncharted 5, qui sait. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs possibilités de choix et qu'on devrait choisir la console qui nous correspond le mieux, en fait. Attends, je vais regarder ce qu'il dit. Est-ce que là on va changer de lieu, on va aller à Madagascar. On va voir ce qui se passe entre temps. Est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avril? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avril n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortes. Chaque constructeur a ses pépites, ouais, c'est vrai. La Nintendo, il y a eu la Switch, il y a eu la GameCube, la SNES, la N64. Enfin, pour moi. Ensuite, pour PlayStation, il y a eu la PlayStation 3, la 4, la 2 et la 1. Voilà, 1, 2, 4, je dirais, allez. Et sur Xbox, la 3-6 et. La 3-6, je dirais la 3-6 et la première avec les jeux de combat qu'il y avait dessus, ou alors. Je peux savoir ce qui te fait rire. Ou alors les Urbs, il y avait les Urbs, mes amis. Incroyable, les Urbs, ceux qui ont connu ça, les Urbs. C'était incroyable ce jeu. Ah. Les montagnes. Ah, dans un volcan. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ah, bah amène-nous là-bas. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Ok, changement d'endroit. Nous allons dans un lieu incroyablement, je dis bien incroyablement magnifique. Ah. Est-ce qu'on a une interscène où on voit Elena? Oui. Une interscène avec Elena. Bon, j'écoute. Hein. Oui, tout va bien. Mais j'écoute en même temps. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Profitez-en. L'OS du côté de Microsoft, c'est plus fort que du côté de Sony. Urbs, The Sims, The City. Ah, le tel. Ouais, The Sims, c'est. Voilà, les Urbs, c'était les Sims un peu spécial. Mais j'aimais bien, moi, jouer quand j'étais petit. Je jouais à ces Sims-là. C'était cool. Des bons souvenirs. Elle est triste, Elena. Est-ce que j'essaierai pas de prendre un billet pour te rejoindre? Oh, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire. Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Elle est triste, Elena, regardez. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. Elle veut vraiment nous voir, hein, ça se voit, hein, ça se sent même. Elle veut nous voir et ça me. Ah, désolé, chérie. J'ai fait mal au cœur. Gardez.
Il parle pas très très longtemps. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est triste. Elle est toute triste. Et voilà. Ton regard tout triste qui fait envie de vivre, qui donne envie de pleurer. En termes, je vais prendre la Xbox Series et la PS5. Bah, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai la Xbox One et la PS4. J'avais pris les deux. Pourquoi pas prendre les deux? Des fois, on a des surprises sur l'une et sur l'autre. Hein. Donc, du coup, c'est un bon choix. Ok. Bon, on va faire une partie de ce chapitre. Et on se laissera après, bien sûr. Quand je vous le dirai, quand je pense qu'on a pas mal joué sur le jeu. On se laissera, de toute façon, cette semaine. Alors, on est chapitre 10, les 12 tours. En plus, on conduit un véhicule incroyable. Regardez ça. Alors, est-ce qu'on a une carte? Non, il n'y a pas de carte. Alors là, il faudrait qu'on aille tout droit, en vrai. Ok, donc c'est par ici. Ok. Si vous voyez des choses que j'ai loupées, n'hésitez pas à me le dire. J'essaie d'explorer un maximum. Bon, sans trop me tarder non plus. Hein, mais regardez là, on a déjà un endroit. On va aller voir ici. Ouais, on va aller voir. On va faire un petit tour. Descendez les copains. Ok. Ah, cette phase en véhicule, ça me faisait plaisir à l'époque. Bon, vous allez voir, elle est magnifique cette phase-là. Je vais pas trop vous en dire. Moi, la PS5 Pro et la série XL. Ah, t'as pris la Pro. Moi, je vais prendre la PS5 Pro également, moi, s'il y a une Pro. Je savais pas qu'elle allait avoir une Pro. Tu m'apprends quelque chose. Y a rien ici. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Pourquoi on m'a emmené ici? C'est pour un trésor? Ah oui, c'est pour un trésor. Bon, on s'en fout, les trésors. Nous, le but, c'est surtout d'avancer l'aventure, pas les trésors. Oh, pas croyable, ça. Il y avait rien. On fait demi-tour, les copains. Allez. C'est un trésor. On s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Allez, on y va. Il met le haut, rien d'intéressant en mode. Ah, c'est pas encore annoncé, mais ça arrivera, on est d'accord. On s'avance un peu vite, mais ça se peut que ça soit là. Hein. La PS3 Pro, la PS4 Pro, pardon, a bien marché, pourquoi pas la PS5 Pro? Alors, frein à main, ok. Il pas mal d'avoir une carte des lieux là. Assistance des caméras en véhicule est disponible dans option commande de la caméra, très bien. Ok, donc là on a moyen de voir comment on peut. Conduire avec une belle caméra, ça c'est pas magnifique les amis, incroyable. La Pro et la XL, lol. Il y a moyen. Trop tôt pour le dire, c'est vrai. Ah, il serait capable hein. Wow. Ouais, moi aussi. On est embourbé par contre. Ah non, c'est pas pour maintenant. Hélas, on est embourbé, c'est pour plus tard. Ok, on va tenter. On va tenter d'autres chemins, on va essayer de trouver les chemins qu'il faut. Bah j'ai cru aussi. Ouais, c'est trop tôt pour le dire, on sait pas encore pour les consoles. Et je comprends le raisonnement. Là les amis, n'hésitez pas à voter pour les jeux en vrac de votre choix, point d'exclamation jeu en vrac. Je vais vous le faire parce qu'il n'y a plus de modo du coup qui est là. Hop, n'hésitez pas à aller voter pour les jeux en vrac. Et évidemment pour le let's play qui remplacera Zelda Oracle of Ages quand on l'aura fini. De toute façon, Uncharted lui sera remplacé soit par Lost Legacy si le confinement est fini, ou sinon j'essaie de voir pour me récupérer un truc pour capturer la PS3 pour que je puisse faire le premier Uncharted, je pense. Ou alors je vous ferai voter, je verrai. Au choix. Ok. Ok, intéressant. On descend ici. On a pris la cascade et on a trouvé un chemin incroyable. Quelle architecture? Après aussi, il faut demander à AMD. Ah, ouais, grave. Ouais, non, je suis d'accord. Ah ouais, bah après là, ça va être du boulot. Hop, alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire de beau ici? Bonne question. Bonne question. Alors attendez, j'essaie de comprendre qu'est-ce que on pourrait faire ici. Ok, il y a un truc à descendre ici, une caisse. Ok, très bien. Alors, ça on va l'amener. Bah là, on avait vu le... Voilà, ici, là, on avait vu la petite montée. Le client, ça va être long. Ouais, mais grave. On est parti pour, je pense, au moins 2 mois. Hein. Faut pas se mentir, ça finira pas en décembre. Ils finiront pas ça si vite. Hein. Ok. Alors. On a des documents. Ok. On va le lire.
Captain Harrison, ça fait 3 jours que vous et votre régiment êtes partis pour les tours et nos espoirs de vous voir retrouver et arrêter le capitaine Avery ont fondu en même temps que nos réserves. Incroyable. Trouver la cachette de ce pirate après des années de fausses pistes a regonflé la confiance de mes hommes. Mais ces 3 jours passés au fond de cette grotte humide les rend nerveux et craintifs. Ils ne veulent pas mourir de faim. Lol. Ou pire, rentrer à la baie du roi des mains vides. Oui, parce que je suis rentré mains vides, c'est un peu... passer pour le mec qui n'a rien fait. C'est pourquoi, au mépris de vos ordres, nous sortirons de cet endroit au petit matin avec les vivres et l'armement que nous pourrons transporter et nous irons nous-mêmes vers cette tour. Oui, il faut même les gestes et tout. Et là, par la grâce de Dieu, nous capturerons Avery pour que justice soit faite. Et si le Dieu le veut, nous nous retrouverons là-bas. Lieutenant Sterwood, 4e régiment d'infanterie sous les ordres de la Compagnie des Indes orientales. Et derrière, il y a quoi? Ah, il y a un texte aussi. Ah ouais, donc du coup, c'est l'autre partie du texte. Ok. Qu'on garde évidemment dans notre petit document. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte des lieux, non, ils n'ont pas prévu d'avoir la carte. La PS5 et la One, c'est à l'AMD pour l'APU, idem pour la PS5 et la série X et S, ben oui. Bon, franchement, j'espère que la console, vraiment, elle va plaire à beaucoup de monde, j'espère que ça va bien marcher. Moi, c'est pas prévu pour maintenant, parce que du coup, j'ai encore pas mal de jeux à me faire. Mais je l'ai en vue, quoi, la PS5. Je sais qu'elle est là, je sais que beaucoup de monde va l'acheter, que les gens vont partir un par un sur la PS5 quand les jeux sortiront. Même si pour moi la PS5 c'était la première, c'était une très belle console pour le multijoueur, etc. Ça reste mon avis. On n'est peut-être pas tous d'accord sur le sujet, évidemment. Eh oui, ça c'est un beau saut ça. Alors, est-ce qu'on a une map des lieux? Est-ce qu'on a une map des lieux? Pas l'air d'avoir une map des lieux, hein. Attendez, je vais essayer de regarder. Hop, non, on n'a pas de map pour l'instant. Je sais pas si on aura une map plus tard, mais on voit pas. C'est un peu le bordel là, cet endroit là. À visiter. Ok, on vient de là, je crois. Enfin, un peu le tour, on va voir si on peut pas trouver un endroit à interagir avec. Peut-être là-bas. Ah, peut-être là-bas, on avait été là-bas ou pas? On vient de là, peut-être. Attendez, je vais descendre ici, je vais voir. Bon courage, merci Risotto, merci à toi. Non, on peut pas grimper ici. Merci Risotto. Je vais essayer de chercher. Hop. Au moins que tu as dit que tu partais, j'ai pas fait gaffe. Non, je sais. Ben merci. Merci Risotto. Plein de love à toi. Plein d'amour à Risotto. Il est gentil comme tout Risotto. C'est quelqu'un que je voudrais bien, un de ces quatre, voir IRL aussi. Il est super sympathique et j'adore cette personnalité qu'il a. Hop. Hop. Allez, on va essayer d'avancer. On va faire à peu près le tour. Ok. Pour l'instant, c'est pas foufou. Hein. Là, on est bloqué, on est d'accord. On va quand même faire un petit tour, mais... Oui, montante. Montante escalade. Bon, alors, regardez, c'est par ici qu'il fallait qu'on aille, les amis. Ouh, on a réussi. Ah, il y avait un pont, évidemment. S'il se casse le pont, c'est de la triche. Hein? Oulala, on dépêche. Là, ça peut être l'écroulement total. Là. On se trouve en bas avec le véhicule, là, c'était terminé. Hein. Ok. De toute façon, on avance bien, je trouve. On avance bien, mais oui. Allez, on prend notre temps. Et j'ai le level up. Ah. On peut pas avancer, là, c'est sûr? Si, regardez. Tout juste. Aïe. Ici, on peut avancer ou pas? Ah, ça sent pas bon. Ah oui, par là il y a un chemin, j'ai pas vu. Ok, non, c'est moi. C'est moi qui avais pas vu le bon chemin. Il y avait un chemin ici. Hop. Voilà. Allez. Oui. Oh là là. Et c'est vraiment incroyable ce passage là avec les boues. Et... Est-ce que vous avez déjà connu vous aussi, ceux qui ont le permis et qui ont un véhicule, ce passage où vous êtes dans votre voiture et vous êtes embourbé dans la boue et que vous passez des heures à faire ça pour essayer d'avancer votre véhicule? Ça avance un petit peu comme ça et tout. Ça vous est déjà arrivé vous aussi, les amis? Ah, moi j'ai vécu ça quand j'étais ado avec ma famille, très souvent, parce qu'on était à la campagne. Et du coup, c'était vraiment une période où c'était. On est constamment embourbé, on passait des heures, il faisait nuit, on voyait plus rien et tout. Que des bons souvenirs d'ailleurs, c'est. Ça fait plaisir de m'en rappeler d'ailleurs. Hop. Ok. Ok, donc par là. Par ici. Ah, j'ai pas l'impression qu'on trouve le bon chemin là. Faut que je cherche le bon chemin. Ah, peut-être ici.
Ok, donc c'est là où on était, le bon chemin. Ok, bien compris. Donc c'est ici. Maintenant, où il faut qu'on aille, il faut qu'on a monté là. Il faut qu'on trouve la bonne route, le bon chemin. Ah, bah oui, là, sur le rocher, du coup. Hop, et là, on roule là, comme ça. Pas du tout. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai bloqué le véhicule à un moment donné, on va être perdu. Ah, ici, peut-être qu'il faudrait que j'aille. Attendez, il faut que j'aille où, là? Mais ici, on est bloqué. Ah, bah non. Attendez. Je crois savoir. Oui, c'est là. C'est là. Ok, j'ai trouvé. Ouah, il faut trouver le chemin et tout. Hein. C'est... Ouah. Tout va se casser. Hein. Je sais pas quoi c'est ça, les petits trucs qu'on voit depuis tout à l'heure, comme ça, là. Ok, c'est par là. Ok. Ah, c'est vraiment pas une route faite pour les véhicules, hein. Ça, c'est sûr. Là, c'est le... On va après prendre le chemin le plus dangereux du monde. Hop. Tu entendais bien le jeu, moi j'entends pas si fort que ça, mais je l'ai baissé tard parce qu'il y avait, quand il y avait la scène avec Nadine et tout, elle nous a fait un de ses boucans. Attends, j'ai monté un peu le son au cas où pour vous, parce que j'entends pas assez fort le jeu, si il est trop fort je le baisse, hein, n'hésitez pas. Voilà, j'entends mieux. Voilà. C'est équivalent de bornes de... C'est équivalent des bornes de chez nous. C'est la route qu'on a là, Carsten, c'est incroyable. Hein. J'ai jamais vu une route aussi ouf. Ok, on descend. Alors attendez. Hop, ok, là il y a une belle tour. Bon, oui, elle est en bon état. Hein. Elle est se casser. Ok, on va visiter la tour. Oh, un symbole. Symbole d'un dragon. Et c'est le saut d'un dragon. Il est beau le saut en vrai. Je peux s'en penser les copains, mais il est beau le saut. Hop. Ok. Ah, attendez, les amis, je reviens. Je... Deux secondes, hein. Je fais pas... Il se déplace à pied et pas en voiture ou en camion. Ouais, voilà. C'était plus compliqué. C'est plus compliqué quand t'as la campagne aussi, de se déplacer à pied ou... Mais en voiture, quand c'est comme ça, c'est plus dur. Alors, attendez, je reviens un truc, deux secondes et je vous reprends. Excusez-moi, parce que je viens de penser à un truc. Et je voulais voir juste un truc. Et après, les amis, évidemment, après, je vous reprends. Incroyable. Ok. Ok, attendez, je vous fais la vraie juste après. Hop. Ok. Très bien. Excusez-moi. Hop, c'est bon. Ah, ça m'arrive des fois de faire des petites coupures comme ça, j'ai horreur de faire ça, mais des fois je reçois des messages, voir si c'est pas important, etc. Évidemment, on sait jamais à quoi s'attendre, on peut avoir un problème familial, quelque chose qu'on n'est pas au courant, et si on n'a pas vu juste avant et qu'on est au courant un peu plus tard. J'essaie de regarder ce que là j'ai cru avoir vu un message sur Snapchat, et non, ouais, c'était pas ça. Je suis de la chance. Ah, je suis quelqu'un qui. Je suis désolé, hein, des fois si je suis sur mon téléphone, c'est que je vois si je pars sur un message important. Ok. C'est combien de temps qu'on y joue, ok. Ok, bon, allez chercher, vous savez quoi. Hop, roup, la petite glisse. On va rapprocher la voiture, du coup. Et parce que la voiture, du coup, on voudrait essayer de grimper ici, vous m'en doutez. On va se prendre la petite cordelette qui est là. Hop, et oui, on va prendre le treuil. On se rend. On a tous une vie et des gens à qui on tient en dehors des streams, mais évidemment. Sans ça, j'ai essayé de regarder si le message était juste, c'est pas un message urgent ou... Ça me fait toujours peur, vous savez, on sait jamais à quoi s'attendre, donc j'ai été vérifié. Hop. On y va. Allez. Direction. La montée. Vous êtes prêts, les amis? Hop. Hop, grâce au treuil, du coup, on peut grimper. Allez, tout doucement, là, il faut pas qu'il se casse. Oh là, il y a une solide, cet arbre. Hop, il faut l'enlever, le treuil, ou pas? Oui, il faut l'enlever. Voilà, nickel. Oui, merci, si tu me penses que ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que pour ce message, je suis d'accord, on a toujours une vie en dehors. Là, on va pas plier, bah c'est bien, tant mieux. Tant mieux, j'ai un moment où je me suis dit peut-être que l'arbre va nous abandonner ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Vous êtes un pirate bien gardé. Allez. Ok, très belle zone. Boum. Incroyable cette zone. Oula. On a eu où maintenant?
C'est grand ici. Oula, c'est très très grand. Faut se dire ce qui est là. Je sais pas, il faut aller où exactement. Ok. On explore en même temps, évidemment. Ouais, mais elle est belle cette route. Interminable, mais belle. Attention. Wouhou! Madagascar, c'est vraiment très beau. Hein. Faut dire ce qui est, Madagascar, très beau lieu. Ok. Ici, il y a quoi? Ah, un chemin à visiter. Je suis la piste, je pense. Ouais, ben voilà, c'est ce que j'ai fait du coup. On a trouvé un chemin là. Alors, des caisses. Oulala. Oh non, bon, c'est pas pour un trésor, je suis venu là quand même. Bon, je suis venu là pour un trésor, voilà. C'est dommage parce que moi, comme je cherche pas la chasse au trésor, du coup, ça m'intéresse pas trop. Moi, je suis surtout dans l'idée de pouvoir avancer le maximum du possible. Le let's play. Pas le let's play, l'aventure let's play stream. Ok, on va y voir ici. Hop. Ah, il y a une tour là-bas. Oula, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Ils sont là. Oh non. Eh oui, ils sont là, je crois. Oulala, là là, il met des explosifs. Qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine. Des explosifs, un peu. Hein. Ils sont déjà là, avant nous. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. C'est pas bien, t'as brisé une borne. Ah ouais, dommage. La seule route qui mène au volcan passe par eux. Bon, on devait passer, hein. Hop, on va retirer ça, du coup. Donc voilà. Oh, coucou Litina, comment ça va? Le salut, le love, les bisous, comment vas-tu aujourd'hui? Voilà, comme je faisais avec Emile Moi, avec Max Moom et avec James Sachs. C'est, ouais, voilà. D'accord, je donne plein de love pour ce week-end et pour cet event. Et encore GG pour les 1664€. Comment ça va, ma chère Litina? J'espère que t'as pu te reposer. Ça va, je viens de bosser sur notre Discord. Ah, ça y est, t'as pu avancer le Discord. Alors, ça s'est bien avancé. J'irai voir ça juste après le live. J'irai faire un petit coucou sur le Discord et j'irai voir ça. Comment vas-tu, ma chère Litina, sinon? Comment se passait ta journée? Bravo, Litina, mais oui, mais plein de love. Plein de love à toi. Comment vas-tu, sinon? Hop. Nous, on est en train d'avancer Uncharted 4 tranquillement. On a fait un débrief de l'event de ce week-end et puis là on avance les let's play de la semaine. Alors attendez, est-ce que là il y a des ennemis ici là dans la tour? On va essayer de s'en débarrasser évidemment. Ça va pas être facile. Hein. Oh, moi coucou. Mais oui. Hop. Allez, on va essayer de faire ça tranquillement. Ah, il y a quelqu'un qui m'a vu là-bas. Allez hop, il m'a vu, je le bute. Ok. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Là, ça va être très très dur, là, les amis. Là, vu le monde qu'il y a, là, on a pour un an là, à survivre. Hop. Hop. Allez, on se cache. Hop. Oh là là, des snipers, il y en a partout. Essayez de gérer, hein, celui et Samuel. Hop, on esquive. Hop, évidemment. Attention, il y a un sniper, les amis, qui vous vise là-bas. Qui est juste là-bas. Ok, il est en hauteur le sniper, ok. Ah, il y a du monde. Il y a du monde, clairement. Pour esquiver tout le monde, ça va être chaud, là. Ouf, 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 ouf. Il y a trop de monde. Bah, écoute, ça va. J'ai fait que ça de la journée. Ah, t'avais que ça de la journée, d'accord. Bah, écoute, j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, ton travail sur le Discord, ma chère Yitina. Merci pour ton follow, Anto82. Merci pour ton follow et bienvenue chez moi. Bienvenue chez le Don Alex. Merci pour ton follow, du love et des bisous. Et pour toi aussi, Litina, énormément de love et des bisous. Litina, que j'ai même pas pu voir tout son live pendant l'event parce que je dormais. Hop. J'ai regardé les rediffs de tout le monde, de toute façon. Hop. Dans le haut de la tour, j'essaie de le buter, là. J'ai vu un sniper. Y'a pas un sniper, là, dans le coin, là? J'avais vu une sorte de sniper. Ah, c'est lui qui avait une arme, une folle, voilà. Une folle. Et merci pour ton follow en tout cas, Anto, et bienvenue sur le live. Enchanté, je suis le Don Alex et n'hésite pas à poser des questions sur les jeux, dire ce que tu joues, te présenter également. La commu ici est d'amour, n'hésite pas. Vraiment. Que des gens d'amour ici, hein. Pas de surprise, ils sont tous d'amour. Hop. Hop. Allez, prochain qui se débarrasse, c'est lui. Hop. Hop. Il y a beaucoup d'ennemis, hein. Là je suis perdu, ils sont partout. Ah, j'arrive pas à tous les tuer, il y en a partout.
Y'a pas une grenade là, une dynamite qu'on pourrait jeter là? Ouais, une grenade. Ah non, elle est restée sur le mur la grenade. Ah, je suis dégoûté de mon tir. Je suis dégoûté de mon tir. Pas grave, on va y arriver. Ok, on va se cacher ici. Oh, grenade. Yes. AK-47. Yes. Ah, ça fait quoi si je fais ça? Waouh. Ah oui. Ah oui. Ils avaient mis de la dynamite. Incroyable. Ils sont montés chaud les gens. Cachez-vous, cachez-vous. Il y a beaucoup d'ennemis là en plus. Voilà, il y a de l'action. Il y a de l'action les amis là, vous êtes gâtés. En termes d'action, il en manque. Il en manque pas là. On en a partout. Ça tire à gauche, ça tire à droite, ça tire en haut. Hop. Allez, on va aller voir. On va s'occuper des personnes sur les remparts. Hop. Bye bye. Évidemment, on se refait plein de munitions. On évite de se faire buter. On monte en haut de la tour. Objectif, évidemment, hein, tenir le plus longtemps. Sans mourir, sans dégâts. Ah, il y a quoi ici? Ah, il y a une folle. Encore. Ah, ouais, je prends la colle. La folle, je suis pas fan. Hein. Le AK, je préfère. Clairement. Ok. Ok, on grimpe par où maintenant? Par ici. Ok. Hop. Le but, c'est en haut de la tour. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-haut. Hein. Si on a beaucoup d'ennemis et qu'on a beaucoup d'action ici, c'est qu'il se passe quelque chose là-haut. Ah. Il y a quelqu'un qui est en haut de la tour, j'ai l'impression. J'ai l'impression, je dis bien. Ouh. Cachons, cachons. Non, on n'est pas discret. Voilà. On l'a eu. GG. Oh non, mais qui nous tire dessus, là? Qui nous tire dessus? En plus, je suis redescendu tout en bas, exprès pour le... Oh, pour rien, je suis redescendu tout en bas. Incroyable. Incroyable, quoi. Qu'est-ce que c'était, cette histoire? Hop. Alors, il faut qu'on aille où, en fait? Là, il faudrait que j'observe. Ah, ok. Il faut qu'on aille sur la plateforme qui est là. Hop. Évidemment. Hop. Juste ici. Voilà. Pour pouvoir entrer à l'intérieur. Alors, il y a quoi ici, maintenant? On arrive en haut de la tour bientôt, hein. On est bientôt en haut de la tour, hein, clairement. Incroyable. Hop. Ok. Ah, mon sniper préféré. Vous connaissez moi les snipers. Ok, pourquoi je peux pas aller plus haut? Ah si. Pas grave, pas grave, je vais me planquer, mais oui, t'inquiète pas. Ok. Pour aller en bas? Attendez, pourquoi j'étais en haut de la tour pour aller en bas? Je comprends pas le but là. C'est quoi le but là? Y'a pas de sens là. Ouais, attendez, là je suis fort en sniper là les amis. Je me concentre. Oula, attendez, attendez. Hop, moi les snipers, vous me connaissez. C'est mon hobby le sniper. Attendez, hop. Ah, je lui ai mis une belle balle. Non, franchement, des fois la visée elle est dégueulasse. Hein. Hop. Ok, il est mort. Oulala, vous avez quelqu'un. Attendez, mais attendez. Pourquoi il m'amène là-haut pour que je me fasse buter par les snipers? Oh, coucou mon cher Aurel, j'ai pas vu. Le salut, le love et les bisous, comment vas-tu mon cher Aurel aujourd'hui? Ouais, Don Alex, coucou à tous, comment vas-tu? Alors comme j'avais fait avec 4 autres personnes, Aurel, du love pour l'event GG pour les 1464€, incroyable. Comment ça va mon cher Aurel? T'as pu te reposer pour ce week-end? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme également. Plein de love à toi. Hop. Ah, j'ai plus de balles. Ah, ils sont marrants dans ce jeu, ils sont marrants. J'ai plus de balles, incroyable. Comment ils veulent que je gère si j'ai plus de balles? Bon bah c'est là, mon cher Aurel. D'ailleurs si vous connaissez pas Aurel également... Attendez, si vous connaissez pas Aurel également, n'hésitez pas à aller voir le vrai de la Yeman Team, incroyable, un ami de la chaîne. Un ami que j'adore beaucoup et qui mérite beaucoup d'amour et beaucoup de love. N'hésitez pas à lui faire checker sa chaîne. Et en plus, il fait d'incroyables contenus, donc n'hésitez pas à aller le voir, il fait un peu de tout. Hop. Notamment du 1D en termes de jeu. Et je suis bloqué en vrai là, je suis obligé de descendre en bas. Hein. Du coup, on y va. Wouhou! Yaou! Magnifique! Hey. Hop! Tiens, coucou Yoto! Mais oui, Yoto, il est là. Il est beau. Et il est encore plus beau même là. Il brille. Parce que quand il y aurait les Yoto, il y a une fusion qui se fait. Ça fait une boule d'amour. Ça fait une boule d'amour incroyable. Hop! Hop, oh là là, oh, je lui ai mis une belle balle. Là, les amis, on est d'accord, je lui ai mis ces belles balles dans la tête. Hein. Hop, incroyable. Hop, hop. Donc du coup, je disais que cette semaine, incroyable planning. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire planning si vous voulez voir ce qui se passe de beau. Et je disais également que j'allais essayer
de mettre un nouveau défi communautaire parce que ils ont fini les votes pour le défi communautaire. Ils ont tous acheté pour 45 000 points de chaîne les défis communautaires. Incroyable, ils sont fous. Ils sont juste fous en fait. C'est juste les boss, voilà. Faut dire ce qu'il y a, c'est les boss. Ils ont... On mettra un nouveau défi communautaire, du coup. On se fera Mario 64 la semaine prochaine. On se fera un live dessus. Alors par contre, ce véhicule, il est où? Il est où le véhicule, les amis? Parce que il fait bien qu'on avance pas, mais il faut le véhicule là pour traverser le pont. Ouais. Il me faudrait le véhicule, s'il vous plaît. Il est là-bas. J'espère que t'as pu te reposer, Aurel, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Et ouais. Et donc, du coup, il y a un invité mystère. Je ne sais pas qui il est. Ouais, j'ai vu que tu as vu Aurel, qui allait avoir une émission jeudi. Il y a un invité. Bon. Sur le live, disons que. Enfin, il y a des personnes entre vous qui savent qui sont, qui est l'invité. Mais je le garde. Je garde la surprise sur le live, en tout cas, de l'invité. Et n'hésitez pas. Oh, coucou ma chère Demon! Le salut, le love et les bisous. Comment vas-tu ma chère Demon Games? C'est incroyable! Comment vas-tu? Et pareil, attends, mais vous arrivez un par un. Pareil, comme tous les autres participants de cet event, Demon Games, du love pour l'event. Encore merci à toi d'avoir été aussi participante. Et 1464 euros, incroyable, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien ma chère Demon. Comment vas-tu la belle Demon? Hop! Et ben moi ça allait bien, mais là du coup juste faut voir. Attendez, juste ce qu'il faut faire. J'ai une idée. Il faut casser les piliers qui sont juste là. Ça fait plaisir de te voir, hein, cher Demon. Et je sais que Demon n'aime pas la pub de base, donc je vais pas faire les SO, mais n'hésitez pas à aller voir la Demon. Évidemment, je vous la recommande. C'est une meuf super sympathique et une amie de la chaîne également. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que t'as bien dormi, ma chère Demon? Est-ce que tu vas bien en tout cas? Hop, allez. Marche arrière, vous êtes prêts? Allez, on tire, on casse le pont. Allez, oui, on a réussi. Ça, c'est la force de Nathan, ça. Et de Sully. Et de Victor et de Samuel, les trois. Je suis fatigué, mais ça va. Bah oui, mais repose-toi un petit peu. C'est fatigué, ma chère Demon. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Si tu vas bien, c'est le principal. Bon, tu m'as dit que ça allait bien, donc c'est cool. Ce jeu, il est génial, mais grave. Sachez, d'ailleurs, les amis, que j'adore la saga Uncharted. Je l'ai déjà dit, mon jeu préféré, c'est le 2. Il fait partie de mes jeux préférés parmi tous les jeux que je joue. Il est dans mon top 50. J'ai un top 50, moi, clairement. Il fait partie de mes 50 jeux préférés. Parce que Uncharted 2, c'est ce qui m'a permis d'acheter la PS3, pour ceux qui ne savent pas. J'avais pas acheté la PS3 et j'ai joué à Uncharted en démo sur lors d'un Fury du Nord à Lille. Et hop, je me suis dit pourquoi pas m'acheter la PS3 à ce moment-là, je me suis pris la PS3. Regardez, c'est Shoreline. Et en gros, j'étais plus dans le Lille, hein, j'étais dans le Sud, mais je l'ai acheté à Lille. Enfin, j'ai vu à Lille le truc et tout. Donc c'était cool. Mais comment ça va sinon, les amis? Ça fait plaisir de vous voir. J'ai pas fini de bosser MDR, donc là, je peaufine. Bah oui. C'est plaisir de vous voir, tous les amis. Aujourd'hui, vous étiez. Incroyablement beaucoup à dire à faire un coucou, mais ça fait plaisir. Vous savez que mon cœur il est tout content de vous voir. Attendez, pourquoi on va où là? Pourquoi on vient de là? Je comprends pas trop le lieu là. Attendez, c'est quoi là-bas? Il y a un désert. Attendez, j'essaie de comprendre. Hop, ok, ici. Il faudrait qu'on aille ici, je crois, je l'espère. Hop, très bien, Demon. Et toi, fatigué alors? T'as pas récupéré? Ah, la Demon est fatiguée, la pauvre. Plein de love à Demon, plein de love à tout le monde. Donnez-vous du love entre vous. Vous méritez tous du love, les copains. Plein d'amour. Hop. Ça fait plaisir en tout cas de faire Uncharted pour commencer cette semaine. Je sais que c'est le jeu. Alors je dis pas ça négativement, hein, mais je sais que c'est un let's play avec beaucoup de dialogue, etc. Et je sais que du coup, des fois, les let's play en soi, des jeux avec beaucoup de cinématiques, etc., ça plaît pas forcément beaucoup. Mais bon, c'est toujours plaisant de le faire. Attendez. On va où là? Oula, ça me fait peur là. On va où comme ça avec le véhicule là? On va jusqu'à où là? Regardez. La Demon a trop de trucs à faire dans ses cours et ne dort pas très bien. Donnez du love à Demon, les amis. Plein de love à Demon. Le but c'est que ça te plaise. Oui, c'est vrai. C'est très bon raisonnement. Oui, c'est vrai que bah, le jeu il me plaît évidemment. Sinon, je le ferais pas. Évidemment, c'est je voulais vraiment que ça tient à cœur de me faire tous les Uncharted. Et notamment celui-ci que j'adore énormément. Hop, attendez, mais on fait le tour pour rien là. Attendez, je comprends pas trop là. On fait quoi ici en fait là? Ok, on grimpe. Non. Non, ne tombe pas. Ok, je crois que le véhicule allait tomber. J'ai dit non, pas maintenant. Mais qu'est-ce que. Bah non, là, il y a un chemin. Non, je reviens pas. Si, je reviens tout de suite en fait. Attendez, je vais voir ce qu'il y a là-haut, je reviens. Je sais pas ce qu'il y a là-haut du tout, on va aller faire un petit tour, on va explorer.
Au pire, venez, venez, suivez-moi, les gars. Vous n'avez pas resté dans la voiture pendant 10 jours, là. Dégourdissez-vous les jambes, bordel. Incroyable. Ah, on aura un nouveau symbole à noter, je pense. Oui, ça sent une tour avec un symbole à noter. Ça sent une tour avec un symbole à noter, non? Ah, non. Bah. Non, tu m'as pas connu pour un trésor, s'il vous plaît. Non, mais non. Mais à chaque fois, on vient pour des trésors. Putain, trésor de Kellogg, c'est fort en chocolat, quoi. Tout le monde le connaît, cette pub. Tout le monde la connaît. Putain, j'ai du plat pour un trésor. Non, mais ça, c'est la blague du jeu à chaque fois. Tu débarques, ils t'offrent un trésor. Au lieu d'avoir un beau truc, un truc, non, un trésor. Ça, c'est pour le beau jeu, ça, le trésor. C'est pour le platine. C'est pour la beauté des trésors. D'ailleurs, si vous voulez, les amis, à la fin du jeu, on pourrait se regarder les trésors qu'on a débloqués. Hein. On pourrait regarder les trésors, ça nous ferait un bon petit coup de. Allez, un bon cours de. D'archéologie, je sais pas comment on peut dire ça. Oula, un coup de canon. Il y a eu un coup de canon là. Vous l'avez entendu? Ah, là-bas. Regardez, il y a du feu là-bas. On va y aller. On va aller voir ce qu'il y a de beau. Hop. Ils parlent, on les entend pas fort, hein, j'ai l'impression, quand ils parlent les personnages. J'essaie d'écouter là, on les entend pas du tout fort. Ils parlent très 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 lentement. Très doucement. Le son de la voix n'est pas assez puissant. Hop, c'est d'être par ici qu'on doit aller. Ok, on arrive au niveau de là où il y avait l'incendie de tout à l'heure avec de la fumée. Regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, je note, et oui, je note. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est beau, en fait, mais c'est quoi? Attendez, je vais aller voir ça. Je vais faire un petit peu les tours des lieux en mode inspection du Don Alex. Ah, on peut aller là-haut. Ouais, je vais voir si on peut aller là-haut. Ok, on peut aller là-haut. Donc il fallait sûrement là-haut. Ah, il fallait aller là-haut pour aller chercher un trésor, évidemment. Oula, j'ai des dialogues avec tout le monde en bas. Là. Je sais pas ce qui se passe, j'ai vu des dialogues apparaître de par tout le monde. Alors attendez, je vais parler un peu à tout le monde. Aïe, ouais, chute. Alors, Samuel. Il est beau ce paysage. Hein. Est-ce que vous en pensez... Petit avis, les amis, sur le paysage du jeu. Est-ce qu'il est pas beau? Clairement. Est-ce qu'il est pas magnifique? Il est magnifique le paysage, regardez. J'adore les jeux comme ça avec un beau décor, style Uncharted. Enfin, des jeux contemplatifs. Voilà, des jeux contemplatifs en termes de décor. Celui-là, il est beau. Magique, hein, on est d'accord, hein, Demon. J'arrive, j'entends Trésor, via Flatter. Oh, coucou mon cher Blanco, le salut, le love, les bisous. Comment vas-tu, mon cher Blanco? Comment s'est passé ton week-end? J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu t'es passé. Pendant un moment dans l'event. J'espère que tu vas bien, donc du coup, on est en forme, nous, on est sur Uncharted, on est en train de se remettre dans le bain des lives de la semaine. On est en train de découvrir la beauté de ce jeu, évidemment. Mais oui, courage à Demon, merci Aurel, merci. Et comment ça va le Bob Blanco? Comment il va bien le Bob Blanco? Comment se passe sa semaine? Tu dis quoi? Oui, l'Afrique est magique. Je fais beaucoup de passages ninja en ce moment, oui, je sais que t'étais occupé, j'ai pu voir ça, que tu avais trouvé un boulot. Et du coup, j'espère que ça se passe bien, mon cher Blanco, et on espère te revoir un de ces quatre très vite. On pensera toujours à toi. Moi, en tout cas, je pense beaucoup à toi. Sachant que t'es un ami de la chaîne, et souvent, je pense à Blanco, et j'espère qu'il va bien, mon cher Blanco. Et je te donne ce gros cœur que tu prends dans ta face, Blanco, et que tu ne sors plus de ta face, ok? Parce que tu mérites beaucoup de love, Blanco. Mais oui, il nous manque trop le Blanco qu'on aime fort, mais oui. J'espère que tu vas bien, en tout cas, si tu vas bien, c'est le principal. Je vous laisse, bonne soirée, des bisous et bonne love à tous. Merci de passer cette tune. Des bisous à toi, ça me fait vraiment plaisir que t'es passé. Sache que tu es toujours le bienvenu. Ça fait toujours plaisir de voir ton passage. Et puis, ben, n'hésite pas à faire ton choix ultime pour la console que tu vas t'acheter, du coup. Ça fait toujours plaisir de faire le bon choix. Et plein de love à toi, mon cher Stitune. Et bon après-midi. Bonne fin de réunion. On va pas tarder à finir le live, les amis. Je pense qu'on va finir par discuter ensemble. Et puis, on va se terminer là. Hop, je vais sauvegarder, je vais finir là. On va discuter un petit peu. Pour une fois, on va faire un peu de discussion. Et puis je vais arrêter là les amis, du coup, on a quand même fait 2 heures de live sur le jeu, c'est officiel, on a passé les 2 heures de live. On va discuter quelques minutes ensemble, le temps de parler, quoi, de discuter entre amis. Et puis après on va aller voir quelqu'un, de toute façon, on se retrouve dans 2 jours, on va aller sur Zelda Oracle of Ages. Alors, j'y stream hier soir, sans prévenir personne, mais bon ça compte. Ah bah oui, mais hier j'étais pas sur Twitch, hier soir j'étais pas là, j'ai pas pu voir. On a dû le lever à toi, Blanco. Bah du coup si tu fais des lives, je vais faire le vaisseau. Je savais pas que tu fais encore des lives, que tu faisais des lives. Je sais que tu disais que autant que tu fais plus de lives, pas de vaisseau, mais je fais quand même. Parce que Blanco, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup et qui fait beaucoup de jeux rétro d'amour, donc n'hésitez pas à aller voir Blanco. Il donnait beaucoup d'amour à cet ami qui mérite tant
de gentillesse, autant qu'il nous en donne tout le temps. En fait, je suis sur le même taf, mais je suis passé d'intérim à CDD, d'accord? Qu'est-ce que tu as finalement accepté? Eh bien, félicitations encore, Blanco, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, moi. Du love et plein de bisous et des félicitations à toi. Ça va être du stream sauvage pendant un moment. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Au moins, on te verra de temps à autre, ça fait plaisir. Je suis sûr qu'elle donne le meilleur démon, c'est un démon après tout. Je suis en étude de comptabilité, contrôle et audit. Ouais, ok. Ouais, j'espère que ça se passe bien, ma chère démon, en tout cas. Les amis, vous savez, rituel de fin, le raid. On va aller raid quelqu'un. Des fois, on essaie de raid des gens qu'on raid pas souvent. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un que je peux raid pour aller faire un petit coucou. Restez juste pour donner un peu de love, histoire de dire le Don Alex, il donne du love. Vous donnez du love. Ah bah, il y a Miattaque qui est en live. On va aller voir Miattaque, non? On va voir Miattaque. Effectivement, qu'on va voir Miattaque. Même s'il finit son live, on va aller voir Miattaque. Parce que du coup, c'est la seule personne que je peux raid actuellement. Donc, allez, on va voir le beau Miattaque. On va voir le Miattaque. Hop. Oui, ne m'a jamais servi, mais bon. J'y suis déjà chez lui. Bah, tant mieux. Bah, voilà, on va continuer chez Miattaque. Du coup, il arrête pas son live maintenant, hein, d'accord. Hein. Comme un Pokémon sauvage. Là, courage pour la comptabilité, c'est l'enfer comme domaine car il y a trop de tableaux et de taux de calcul. J'ai un bac pro comptabilité démon, bah oui. Et moi j'ai un bac pro électrotech, hein, Blanco, n'oublie pas. c'est incroyable. Moi j'adore faire de l'analyse plutôt que de la compta pure, mais ça me plaît les tableaux. Ah ouais, bah écoute, si ça te plaît, ma chère démon, c'est le principal. Et oui, Aurel, du coup, on va aller chez Miattaque, Peggy18, mon coéquipier ultime, hein, Aurel, de l'émission d'Aurel, justement, mon coéquipier d'amour. On va lui donner du love. Plein d'amour. Vas-y, viens, je te fais embaucher. bah cool, allez, c'est génial. Et bah voilà, je m'occuperai pendant ce confinement, parce qu'en plus, je vais chercher du boulot, là. Bah, ça tombe bien. ah, ce serait cool de rebosser un peu aussi de temps en temps, reprendre les mécaniques de l'électrotech. Les amis, je vous envoie chez Miattaque, je vais lancer le raid dans quelques instants. Merci à tous encore pour ce week-end, déjà. Je vous remercie sur ma chaîne. Beaucoup de love et beaucoup de bisous pour tous ceux qui ont été sur cet event, à qui ont donné, etc., pour 1664€. Merci également pour votre passage, vous étiez énormément aujourd'hui, c'était incroyable, je ne m'attendais pas à autant de monde sur le live, je crois qu'on a eu en tant que présence énormément de monde, c'était du inédit, merci encore, Backstel Bio, Méchant Terminal, ok, ça marche, Arsena, c'est cool ça. Bon les amis, du coup, moi je vais devoir vous laisser, hélas, on va aller voir Miattaque, donner du love, il adore la mécanique, il adore la voiture, beaucoup de love à lui. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont passés faire un coucou, donner du love, de la gentillesse, je vous ferai un gros cœur comme ça, mon cœur je vous le prête et vous le gardez chacun une partie, des fragments de mon cœur comme si c'était un fragment de Triforce, et je vous retrouve mercredi dans la journée, jeudi on va faire une émission à poil avec un participant mystère, je vous dis pas qui c'est, il y a que la personne qui sait évidemment. Donc, du coup, on se retrouve mercredi sur Zelda Oracle of Ages. Merci à vous tous. Il reste 10 secondes avant le raid. Donc, je vous fais un gros cœur comme ça. Des bisous. Et je vous dis à très vite. C'était le Don Alex. Ciao. Et du love à Miattaque, s'il vous plaît.